20h-23h, tous les dimanches, avec Snir. Olé, bonsoir à tous, nous sommes dimanche, il est 20h01, nous sommes en live, je suis en retard d'une minute, mais c'est pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison, c'est parce que la musique allait recommencer. Et j'adore commencer mon live pile poil sur le petit jingle de la musique qui commence et qui démarre. Donc je me suis permis d'arriver une minute en retard, mais c'est pour une bonne raison bien entendu. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir, en ce nouveau dimanche de platine. Puisque oui, mesdames et messieurs, nous allons débloquer le platine de Rise of the Ronin ce soir. Il y en a qui me posaient la question, notamment Jack, est-ce que c'est sûr ce soir? En vrai, ouais, on va détailler ensemble ce qui me reste. Il ne me reste pas grand-chose, parce que comme je vous l'avais dit, la majorité des choses ont été enregistrées pour le guide. Donc j'ai dû essayer de laisser des petits trucs à gauche à droite. J'ai réussi à laisser des choses, mais eh ben, on n'en a pas pour 10 ans. Vous allez voir, globalement, ça va aller bien. Pour une première heure de live, je pense maximum de chez maximum. Merci beaucoup de Jolifer depuis 33 mois dans la team café. Merci beaucoup pour ton soutien. Bon live à toi aussi. En parlant de café. Il est là, si vous voulez, on fait de la ASMR. Aujourd'hui, on a un café. Non, je déteste ça, mais le petit café est ici, il est présent. Est-ce qu'on va en avoir besoin ce soir? En vrai, pas tant que ça, parce que franchement, Rise of the Ronin, c'est d'une simplicité terrible. Je n'aurais jamais dû dire ça, parce que je pense que Black Myth Wukong va me rouler dessus dans quelques mois. Je m'étouffe avec mon propre café. Pardon, voilà, c'est le karma. C'est le karma. C'est le karma, la vie, elle a dit, ah ouais, Rise of the Ronin, c'est pas dur. Et tac, étouffe-toi avec ton café. Je reviens. Tout va bien. Du coup, qu'est-ce qui nous reste ce soir? Eh bien, on va très rapidement voir les trophées. On n'en est pas... Et c'est difficile. J'arrive. On est à 94% des trophées. Et donc, il ne me reste donc plus que 1, le platine. Bonne nouvelle. Il me reste... Tac. Donc, tout ça, c'est fait. Les collectifs, c'est fait, tout ça. Il me reste à effectuer toutes les missions avec des partenaires. Donc, j'ai fait la moitié. Je ne sais pas lesquelles j'ai fait. Donc, on va devoir tous les passer en revue. En gros, il faut sélectionner des alliés différents à chaque fois pour les passer tous en revue. Il y en a 32 et on peut en sélectionner 2 par mission. Donc, il va falloir relancer 16 fois une mission. C'est le plus long. Quand on a fait ça, on a tout gagné. En sachant que faut vérifier, mais je crois qu'on n'a même pas besoin de terminer la mission, donc ça va vraiment être très rapide. Deuxième trophée qu'il me reste, battre les ennemis avec chaque arme. Oui, je n'ai pas utilisé toutes les armes du jeu, donc simplement on va le faire rapidement aussi, ça va bien se passer. Et terminer une mission sans partenaire, ça par contre, il faudra terminer une mission entière, sans personne. Ça devrait bien se passer également. Et c'est tout. Voilà ce qu'il me reste sur Rise of the Ronin. C'est simple, c'est rapide. C'est pas long, donc le platine tombe, sauf problème technique et bug, forcément, hein, cas de force majeure, tout ça. Sauf problème, le platine tombe normalement dans cette première heure de live, au pire, 1h30 max de chez Max. Voilà. Du coup, vous allez me poser une question très intéressante. Qu'est-ce qu'on fait après Rise of the Ronin? Et vous avez raison de poser cette question. Eh bien, 2 possibilités, ce sera à vous de choisir, on fera un sondage. Oh, le moment venu, pas tout de suite, hein, vous pouvez déjà donner votre avis si vous voulez, mais on fera un sondage le moment venu. 2 choix, soit, comme annoncé la dernière fois, on peut commencer Dragon Dogma, puisque bah, hey, je n'ai jamais fait Dragon Dogma encore. Enfin, j'y avais fait une preview, etc., mais je n'ai pas fait le vrai jeu, parce que bah, j'étais occupé sur Rise of the Ronin, donc je n'ai pas joué une minute à Dragon Dogma. Ou, deuxième possibilité, et certains l'ont vu effectivement, on peut faire la démo de Stellar Blade. Stellar Blade, prochain jeu qui sort le 26 avril, donc bientôt. Bientôt plus, on va dire. Et une démo est sortie effectivement hier, je crois. Donc je ne l'ai pas faite. Je crois que ça dure 1h30 si j'ai vu à peu près. Donc on pourrait faire la démo de Stellar Blade. Et Final Fantasy, je préfère plutôt partir sur les trucs récents que Final Fantasy. Je pense que déjà entre ces deux-là, il y a déjà de quoi faire. Donc voilà. Mais on fera un sondage dans la deuxième partie de ce live quand on aura déjà débloqué, le platine de Rise of the Ronin. C'est la première partie, parce que sinon effectivement Final Fantasy en mode difficile, on peut aussi s'axer là-dessus, mais il faudrait que j'enregistre certaines choses et je ne peux pas liver et enregistrer, donc ce serait vachement chiant de faire le mode difficile. Si on fait du Final Fantasy, ce serait plutôt de se taper les mini-jeux infernales que je n'ai toujours pas fait. Donc à choisir pour un live, peut-être plutôt partir sur soit Dragon Dogma, soit Stellar Blade. S'il y en a qui l'ont fait Stellar Blade, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, même si on pourra en reparler quand ce sera le moment venu.
Bon, du coup, Rise of the Ronin, je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont platiné, qui sont proches de le platiner, s'il y en a qui jouent, qu'est-ce qui vous manque? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous bloquez à certains endroits? Si jamais vous avez des questions, c'est le moment, puisque bah, ça y est, maintenant j'ai tout fait, tout fini. Les grosses vidéos 100% sont toutes dispo. Il me manque juste une ou deux petites vidéos astuces qui seront publiées sur la chaîne secondaire, notamment pour un trophée ou deux, etc. Mais sinon, pour les grosses vidéos 100%, déjà, tout est dispo sur la chaîne. Donc voilà, donc il reste juste une petite mise à jour du guide à faire et tout sera dispo pour vous aider à faire Rise of the Ronin. C'est vraiment pas difficile. J'attendais hein, d'aller jusqu'au platine pour savoir si je lui remettais un petit point de difficulté ou pas. Non, clairement, c'est très 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 loin de la difficulté des jeux du genre. Hein. Si vous vous mettez bien entendu en mode le plus simple, qui est le mode Hope, vraiment, il n'y a rien qui bloque. Il n'y a pas une seule fois où j'ai été bloqué dans ce jeu vraiment en mode mur de difficulté. Qui normalement est tout à fait normal sur un jeu comme ça, typé difficulté, sur un jeu de la Team Ninja. Donc normalement, par exemple Nioh 2, j'ai cru que j'allais passer la console par la fenêtre. Ça n'est jamais arrivé sur Rise of the Ronin. Donc s'il y en a encore qui ont peur de se lancer en se disant ça va être trop dur, en mode facile, on va appeler ça un mode facile, c'est hyper accessible. Franchement, c'est un peu plus dur qu'un Assassin's Creed, un peu plus dur qu'un Ghost of Tsushima, mais tranquille. Snir, tu n'as pas mis les points à jour encore? Si, normalement tous les points sont à jour, sauf si j'ai oublié un papier quelque part. Parce que c'est possible. Donc si jamais il y a des points cafés qui n'ont pas apparu, n'hésitez pas à envoyer un mail à notre service client, nous y répondrons sous 7 jours. Voilà, bon, ce que je vous propose, c'est quand même qu'on commence à avancer. Et c'est parti. Je bloque sur la faction à choisir, tu conseilles laquelle entre Shogun et Anti-Shogun, tu conseilles quoi? Alors il n'y a pas vraiment de conseil, hein, ça va vraiment dépendre de ta volonté de qui tu préfères, de quel côté tu préfères être, etc. Mais sinon en termes de jeu, de récompense, ça va pas changer grand chose. Si tu veux optimiser le platine, les trophées, le choix Anti-Shogun te permettra de ne pas relancer certaines missions parce qu'il y a des alliés qui vont te débloquer seulement si tu fais les choix en vert, donc les choix anti-shogun, et si tu as fait les choix violets, faudra juste relancer une ou deux missions pour les débloquer. Bon, donc à part ça, sinon ça va te prendre 10 minutes, donc c'est pas très grave. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de conseils de mieux, c'est vraiment commencer au fond de toi, qui tu préfères. Mais sinon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de différence. Alors, testament spirituel. Coucou, tu en es où sur le platine de Final Fantasy VII Rebirth? Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il me manque les derniers mini-jeux insupportables à faire et interminables. Il me manque le mode difficile. Voilà, j'ai pas eu le temps de réavancer parce que là, ma semaine là, est passée entièrement sur Rise of the Ronin. Et là, eh ben justement, la nouvelle semaine arrive, n'est-ce pas? Je suis questionné intérieurement. Soit je vais sur Dragon Dogma et je fais des vidéos Dragon Dogma, soit je retourne sur Final Fantasy VII. Je sais pas sur quoi je vais. Je vais demander une voyante, je pense, parce que comme ça, j'ai du mal à voir. J'ai surtout envie d'aller où il y a le plus besoin d'aide. Et je sais pas s'il y a le plus besoin d'aide sur la fin de Final Fantasy VII ou sur Dragon Dogma. Je ne sais pas. Donc on va voir. Merci Nox Academia de tes 34 mois dans la Team Café. Merci beaucoup pour ton soutien. Tu fais quel trophée? Je fais le trophée qui s'appelle Ascension Sociale, je crois, qui te demande de faire des missions avec chacun des partenaires. Tous les partenaires ont été débloqués dans la vidéo qui vient de sortir. J'appelle ça des alliés aussi de temps en temps. Merci Fulkami, 47 mois dans la Team Café. Oh là là, bientôt le platine, Fulkami. Ta petite tasse en or, elle est magnifique. Bientôt le platine. Merci beaucoup. Bon live à toi également. Alors, on va relancer des missions où on peut avoir quelques alliés, puisque tous les alliés ne sont pas toujours disponibles. Il faudra juste les passer tous en revue. Est-ce que j'ai tous mes alliés là? J'ai tous mes alliés? Je crois que j'ai tous mes alliés. Il y en a 39. Donc, normalement, c'est bon. Bon, alors, on peut pas savoir lesquels on a déjà pris. Donc, le trophée, pour ceux qui se demandent, c'est faut donc effectivement utiliser une fois chaque allié dans une mission. Donc, vous pouvez relancer les missions après la fin du jeu, il n'y a pas de souci. J'ai un stylo, voilà. Et il faut débloquer les 32 alliés dans le jeu. Encore une fois, la vidéo vient de sortir sur toutes les missions et tous les partenaires. Le souci, c'est que vous ne pouvez pas savoir qui vous avez déjà pris, sauf si vous vous en rappelez. Donc, il va falloir tous les repasser en revue. Et j'aimerais juste vérifier quelque chose, c'est, je crois que juste lancer la mission suffit. Il n'y a pas besoin de terminer la mission. J'ai mon trophée qui est à 50%. Donc... on va lancer quelques fois les missions avec différentes personnes et on va voir si le trophée finit par augmenter. Parce que c'est possible que les premières fois, je prenne des personnes que j'ai déjà pris.
Voilà, je suis à 50% précisément. Donc je vais lancer plusieurs fois jusqu'à... Ou alors, attends, j'utilise quelqu'un que je suis sûr que j'ai jamais utilisé. Comme ça, ah, c'est plus intéressant ça. Eh, pas con. Voilà, hop. On va utiliser les deux derniers plutôt. On va remonter la liste, ce sera plus sympa. Voilà, et on va voir... si ça augmente le trophée. Si je lance juste la mission comme ça, ça nous ferait gagner un temps de ouf. Parce que par contre, c'est vrai que... Attends, c'est vrai. C'est vrai que j'ai assuré le trophée ce soir. Normalement, même s'il faut relancer les missions, on peut relancer facilement les missions et vite les claquer. Cependant, faudra pas traîner, hein, donc on va vite vérifier ça quand même, histoire d'être sûr qu'on soit bon niveau timing, parce que ça se trouve on n'est pas si bon que ça, hein, on va voir. Les graphismes sont moches. Rise of the Ronin n'est pas le jeu le plus beau du monde, on est d'accord. Il est pas moche, il est daté. C'est pas moche, c'est juste que si c'était sorti en 2012, ce serait très bien. N'est pas sorti en 2012, on est bien d'accord. Donc oui, le jeu est daté. Mais sinon, il est pas moche. Ça va, ça se regarde, ça se supporte. Mais bon, bah c'est vrai qu'une petite évolution technique pour un jeu exclu PS5 aurait été sympa. Mais bon, franchement, sauf si vraiment t'as un gros blocage, c'est pas gênant. Franchement, c'est pas gênant. Alors, je vais juste regarder, est-ce que mon trophée est monté ou pas? Il n'est pas monté. Alors, il n'est pas monté, soit parce qu'il faut que je continue un peu la mission, soit parce qu'il faut que je termine la mission, soit parce que j'avais déjà utilisé ces alliés que je me souviens pas. C'est aussi possible. Hein. Mais normalement, non. On va quand même terminer la mission rapidement. On fait l'émission du début du jeu parce que vous pouvez voir que je vais slasher les gens un peu rapidement. C'est totalement normal. C'est parce que je relance une mission après la fin du jeu et que ton niveau est gardé, mais le niveau de la mission n'augmente pas. Ce qui permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça. C'est ce que t'as déjà fait avec eux, tu penses? J'avoue que j'ai un doute parce que je suis pas sûr. La femme que j'ai avec moi là, autant l'autre j'ai un doute, mais la femme je suis quasi sûr de l'avoir jamais prise. Mais bon. Peut-être que les missions secondaires comptent. Parce que est-ce que c'est que les missions principales ou est-ce que c'est les missions secondaires qui comptent aussi? Parce que si c'est les missions secondaires, effectivement, peut-être que ça compte. J'ai un doute. On va voir. Sachant que la mission que j'ai prise est particulièrement rapide. Hop, le platine va-t-il tomber avant 23h? Normalement, largement. Au niveau des alliés, tu tombes dessus avec l'histoire en explorant les zones. Non, tu tombes dessus dans l'histoire et dans des missions secondaires, en fait. Il y a une grosse vidéo qui est sortie aujourd'hui, c'est un peu long, elle dure 55 minutes, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Hop, elle est en gros là. Bam, tac, voilà, toutes les missions de lien et les alliés. La majorité vont être débloquées dans le cadre de l'histoire, mais pas automatiquement devenir des alliés. Il faut que tu ailles faire des missions secondaires avec eux. Il y a 58 missions secondaires dans le jeu, des missions de lien, on appelle ça. C'est de faire toutes ces missions de lien avec tous les personnages et d'en débloquer un à gauche, un à droite, qui te permet de tout avoir. Alors, voilà, donc ma mission est faite. Ça te reposer, j'espère. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que mon trophée a augmenté? Mon trophée n'a pas augmenté. Donc effectivement, c'est que j'ai déjà dû les utiliser, ce qui me paraît particulièrement étrange. J'espère que toutes les missions marchent. Normalement, oui. Normalement, toutes les missions marchent. Est-ce qu'on en relance une autre au pif? Au cas où. Ça, elle est chiante. Est-ce que je peux prendre mes alliés avec celle-là? Je sais pas, on va voir. Hop. Alors, il y a certaines missions où on peut pas choisir les alliés avant d'avoir suffisamment avancé, ou alors il y a certaines qui sont peut-être pas du tout avec des alliés. Celle-là, je crois pas qu'elle soit avec des alliés. On y retourne. Hop, la démo de Blade Echo. Ouais, je remonte un petit peu les messages. Bon, de toute façon, on en reparlera dans la deuxième partie pour voir. Si des fois vous voyez des trucs marqués connexion dans Rise of the Ronin. Et que vous vous dites pourquoi connexion alors que c'est un jeu solo,
c'est parce qu'il y a des statistiques dans le jeu qui nous permettent de savoir à peu près qui a fait quel choix, et par exemple, est-ce que 50% a fait le choix là, 50% a fait le choix là. Donc le jeu transmet un peu tes données, entre guillemets, pour faire des statistiques. Voilà. J'ai perdu tout mon argent sur le jeu de dés. Parce que t'as acheté des jetons? Parce que normalement, t'as pas besoin de parier ton argent au jeu de dés, non? Alors... Comment on fait pour avoir le trophée romantique pour la photo de la demande de Taka? Alors la photo à la demande de Taka, c'est dans une quête secondaire avec Taka. Faut que tu fasses toutes ces quêtes secondaires. Le guide est disponible, tu vas dans la description, tu cherches le nom. J'ai mis des timecodes dans la description de cette vidéo. Donc tu cherches Taka, tu vas trouver ses missions, tu les fais toutes à la fin, tu peux prendre une photo. Paf. Pour le trophée romantique, il faut atteindre le niveau 4 de relation avec un allié, peu importe lequel. Et tu vas lui parler à cet allié une fois que tu es level 4. Et après, tu vas avoir une petite option pour déclarer tes sentiments, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir débloquer ce trophée. Voilà. Si tu as récupéré les 100 chats, le guide des chats est disponible. Tu vas automatiquement avoir le niveau 4 avec la personne des chats. Donc, tu vas pouvoir directement aller parler à la dame des chats et lui avouer tes sentiments. Voilà. J'espère que ça t'aide. Je savais. Alors, est-ce que je vais pouvoir choisir mes alliés ou pas? C'est souvent comme ça, hein. Quand on relance une mission, voilà, quand on relance une mission, au début, on a quelques dialogues obligatoires à faire, et c'est seulement après qu'on se lance réellement dans la mission et qu'on y va. Matthew Perry, j'ai quand même beaucoup de trucs dans ma tête pour me dire que je ne l'ai jamais utilisé. Pareil, on va voir. Koto, aucune idée non plus. J'ai l'impression d'avoir toujours utilisé les mêmes, moi. Donc, bon, écoutez... On va voir. Alors pareil, on va attendre un petit peu le début de la mission, puis on va voir si ça a augmenté dans les trophées ou pas. Trophée. 53%. Ok, ça marche de ne pas terminer la mission. C'est une bonne nouvelle. Alors je vous le dis, le platine tombe ce soir. Normalement, il tombe même dans l'heure qui arrive, sans aucun souci, parce que vraiment, vu ce qu'il nous reste à faire, on est bien. Bon, et eh ben nickel alors, super. Hop. Merci Peter Vidéo, j'en suis encore sur Avatar, elles sont bien faites et pratiques, continue comme ça. Et eh ben heureux de pouvoir t'aider, Vianney, merci beaucoup. Et bon courage sur Avatar, si tu n'es pas encore au bout de tes surprises... T'inquiète, le plus chiant arrive. Non, ouais, c'est pas si terrible. C'est pas si terrible. Hop, allez, on y retourne. Ah, est-ce que je vais pouvoir un peu la... Comment ça se fait que j'ai relancé la mission, moi? Comment ça se fait que j'ai relancé la mission et que je suis pas revenu au début? Je ne sais pas. Normalement, j'aurais dû revenir au tout début. Mais est-ce que je vais pouvoir, du coup, un peu optimiser? Bonne question. Est-ce qu'il y a un trophée de difficulté sur Rise of the Ronin? Non mais oui. Alors non, parce que tu peux tout faire en facile aube, à l'exception d'une seule chose. Il y a une mission que tu dois faire en mode difficile, une seule. En mode ultra difficile, qui est un mode qui se débloque après la fin du jeu. Ça s'appelle le mode nuit noire. Et il y a une seule mission, tu peux faire la première mission du jeu, il n'y a aucun ennemi ou presque. C'est un seul combat où il faut être un tout petit peu réveillé. On l'avait fait durant le dernier live. Donc tu vas regarder la rediff du dernier live si tu as besoin d'aide. Et c'est tout. Sinon tout le reste peut être fait en facile. Donc je ne considère pas qu'il y ait trophée en mode difficile. Ça se fait super bien. Voilà. Mais il y a juste un tout petit truc. Je sais. Voilà. Mais je suis totalement en accord avec ma note de 4 sur 10 pour la difficulté du jeu. C'est clairement, clairement accessible pour absolument tout le monde. Et profitez-en parce que c'est rare. Alors du coup on continue. Sana bonjour. Jigoro bonjour. On lance la mission. Tac. Voilà. On est bon. Tac. Alors, voyons voir. Ah, j'aimerais bien que ce soit facile de mettre un tout petit truc là, comme sur Xbox, pour voir le truc qui augmente petit à petit là. Pour suivre un trophée sur PlayStation, c'est super moche. Ça coupe la moitié de l'écran. 59%. Ça augmente. As-tu fait des nouvelles tasses? Alors, pas depuis la sortie de Final Fantasy. J'ai pas fait de Tass Rise of the Ronin, pas Dragon Dogma non plus. Et il n'y en a pas prévu pour Stellar Blade non plus.
Pas non plus pour Hellblade 2. Je ne pense pas non plus pour Black Myth Wukong. Par contre, je vais peut-être enfin rattraper mon retard des anciennes licences. N'est-ce pas? Bon, bah ça va servir vite. Par contre, c'est trop bizarre que je revienne au début de la mission, alors que normalement, je suis pas censé revenir au début de la mission. Mais c'est bien, c'est pratique, c'est pratique. Ça nous gagne encore plus de temps. Tu pourras aussi faire en même temps le trophée des armes. Étant donné que je ne bute absolument personne là, même pas possible. Mais on va le faire juste après, ça va s'organiser petit à petit. Il y a juste après, il faudra quand même faire une mission entièrement et sans allier ce coup-là. Hop, c'est reparti pour un tour, sélectionner les partenaires. Alors, faut pas que je perde le fil non plus. Koto, bonjour. Deichu, bonjour. On lance la mission. Hop, bon du coup, je vais même pas regarder mes trophées à chaque fois. On va juste faire la liste des alliés petit à petit. On va remonter, puis au bout d'un moment, le trophée va tomber. Et ça sera bien. C'est vraiment la chose la plus longue qu'on a à faire pour le platine. Après, tout le reste, ça va se faire tout seul. Hop. Final Fantasy VII Rebirth, je suis à la croisière. Oh, bah ça va, t'avances tranquillement, c'est bien. Faut faire le tour de notre carte, hein, pour le gagner, pour un trophée. Ce qui est pas le plus amusant, mais bien d'accord, bon courage. Est-ce que tu as le platine de Rebirth? Pas encore, j'ai dû le laisser tomber pour l'instant, parce que Rise of the Ronin a pris la priorité. Et la question se pose de est-ce que je vais le reprendre dès demain, ou est-ce que je fais un peu de vidéo sur Dragon Dogma. Je ne sais pas, j'ai pas encore joué à Dragon Dogma. C'est une des possibilités de la deuxième partie de ce live. Donc je me poserai la question quand il sera temps de poser la question, c'est-à-dire très bientôt. Je savais. J'arrive pas à estimer la demande sur Dragon Dogma. J'arrive pas à savoir s'il y a une hype ou pas, j'avoue, j'arrive pas à regarder. J'avais fait un sondage, il était bien en dessous de Rise of the Ronin en termes de statistiques. Rise of the Ronin était à 33%, Dragon Dogma à 22%. Donc je ne sais pas. Jigoro, je crois que je t'ai déjà pris. Ah bah si je commence à perdre le fil, on est dans la merde, hein. Bon, dans le doute, on va le remettre. Dans le doute, on va le remettre. Hop. Ok. Chaque fois, j'aime bien faire quelques mètres pour être sûr que ça se valide bien. Hop là, déjà fait Jigoro. Ouais, je me disais aussi, mais j'avais un petit doute, donc tant pis. Autant pas perdre le fil, parce que si jamais on en loupe un et qu'il faut refaire toute la liste, on est sûr là, 100% sûr. Un truc qui pourrait vous embêter également pour ceux qui feraient le platine, il y a un trophée qui demande de maximiser entièrement un arbre de compétences. Il y a 4 arbres de compétences, plus un cinquième après la fin du jeu, mais lui, il compte pas. Il y a 4 arbres de compétences. Tous les arbres de compétences demandent 2 trucs, soit des points de compétences, soit des points spécialisés. Obtenir les derniers points spécialisés sont un peu pénibles. Le mieux, c'est de le faire avec l'arbre de charisme, parce qu'il y a beaucoup moins de points à obtenir. Et les arbres de charisme peuvent être achetés, alors on ne pourra pas le voir là, peuvent être achetés à la dame avec qui vous avez fait le truc des chats. Quand vous avez ramené les 100 chats, vous avez une nouvelle boutique. Elle vend plein de trucs de charisme, c'est trop pratique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai débloqué, parce que sinon les points de force sont super longs à obtenir, il en faut des centaines, c'est terrifiant. Je suis sur Dragon Dogma 2, perso j'aime bien le faire, sachant que j'ai jamais fait le 1, c'est plutôt cool. Ah, franchement, le jeu a l'air d'avoir du gros potentiel, hein, c'est sûr et certain. Je crois qu'il a pris des notes correctes en plus. Mais je me demande si est-ce que vraiment il y a assez de monde, ou ce que c'est mieux que je retourne sur Final Fantasy. C'est surtout ça en fait. Faut que j'aille à l'endroit où il y a le besoin le plus d'aide. C'est surtout ça. Je sais pas où est-ce qu'il y a le plus d'aide. C'est difficile à entrevoir. Alors, on en était à qui? Putain, je sais plus si je l'ai fait. Je suis terrifiant. Mais les noms changent pas Non, les noms changent pas. Non, c'est moi qui suis complètement fou.
Hajime Saito, je sais pas si je l'ai fait. Nakamura, allez hop, on y va. De toute façon, au pire, ça va vite. Hop. Par contre, Dogma a l'air moins accessible que FF. Sans doute, ouais, le système de combat est un peu moins explicite. Final Fantasy, c'est vrai que tu cliques sur des actions qui sont écrites pile poil, etc. De ce que j'avais testé Dragon Dogma durant ma preview, parce qu'il m'avait invité, hein, j'avais fait une vidéo, j'avais trouvé le combat vachement brouillon. Alors qu'effectivement, c'est beaucoup plus carré sur Final Fantasy. Est-ce que c'est beaucoup moins accessible? Je ne sais pas. Il y a des gros boss aussi. Ça dépend, hein, ça dépend. C'est très différent, mais je sais pas s'il y en a qui est plus accessible que l'autre. Ça, c'est bien qu'on puisse passer tous les dialogues dans ce jeu. Oh là là. J'avoue que les quêtes secondaires à la fin, je passais les dialogues. J'en pouvais plus. Parce qu'il fallait que je sorte ma vidéo là. C'était vite, vite, vite. Il y en a beaucoup trop. Mais c'est bien. Oh. Je vous en. Je savais. Et les boss cachés dans Rise of the Ronin, j'en ai trouvé que deux. Oui, c'est vrai que je me rappelle d'un qui est caché dans une grotte pour un coffre. Et ça avait marqué ennemi secret trouvé, effectivement, ouais. Je sais pas combien il y en a. Il sert pas à grand chose, apparemment, parce que bah, pour les missions secondaires, ils n'ont jamais été centrales. Donc c'est dommage d'avoir caché des ennemis secrets pour finalement pas grand chose, mais bon. Alors, du coup. On en est. Oh, j'aurais dû noter les noms. Les noms se ressemblent tous. Soji Okita, est-ce que je t'ai déjà pris? Je sais pas. Pas du tout. Dans le doute. Non, pas dans le doute. Allez, on dit que j'ai pris, c'est bon. Tac. Non pour Soji, je l'ai pas pris. Bon bah très bien, alors je vais rattraper l'erreur. C'est fou, hein, c'est pas facile. Bon, il aurait suffi de faire une petite liste et de barrer les noms au fur et à mesure, mais écoutez, l'organisation est-elle aussi bien que ça? Peut-être pas, non, je ne pense pas. On continue petit à petit, hein. Bon, rassurez-vous, après il y aura un peu plus d'action, hein. C'est juste que là on fait une petite phase un peu chiante. Je savais. Hop. Alors, du coup, donc on avait dit Soji, je l'avais pas pris, et j'en étais à Ernest au-dessus, je crois, donc impeccable, on va pouvoir reprendre à partir d'Ernest. Après, c'est Rutherford, c'est parfait. Tac. Petit à petit, Snir fait son défi. Absolument! J'ai même pas regardé à combien de pourcents du trophée on était pour voir si on avait bien avancé. Normalement, j'ai plutôt utilisé les alliés du haut de la liste plutôt que du bas de la liste, donc j'aurais dû progresser normalement plus rapidement que si j'avais fait l'inverse. C'est bien. Allez, la connexion. On est dans un jeu solo, là, il n'y a pas de connexion! Il a pas lancé la mission? La musique, on dirait dans les jeux Naruto. Bon, on est Japon, hein, donc forcément. Et encore, la musique est pas si incroyable dans Rise of the Ronin. Il en manque quand même beaucoup. Hein. Quand tu te déplaces dans l'open world, t'es un petit peu,
T'es un petit peu dans le vide. Tu penses débloquer le platine à quelle heure environ? Pas la moindre idée, mais normalement dans l'heure qui suit largement. Sans aucun souci, même avant 21h, je pense. On est à 78% de ce trophée, on avance. Tac, Final Fantasy VII a abandonné. C'est pas que j'ai abandonné, c'est que j'ai pas le temps. Ilan, il a fallu que... Là, j'ai passé ma semaine entière, non-stop, jour et nuit, sur Rise of the Ronin. Je vous en prie. Donc, Donc, j'ai pas abandonné, c'est juste qu'il y a autre chose à faire. Et là, la question se pose de est-ce que je laisse encore Final Fantasy sur le côté pour Dragon Dogma ou pas. Je ne sais pas. Du coup... On avait dit Rutherford, voilà, hop. Il y en a 32, j'ai l'impression qu'il y en a 8000. Interminable. Hop. Pas dur mais long, le petit renin. Au début, j'avais mis 50 heures de durée de platine. J'ai augmenté entre 60 et 70 sur le guide parce que après avoir fait tous les derniers trucs, etc., ouais, y a finalement un tout petit peu plus de temps que je pensais. Mais voilà, faut compter environ une soixantaine d'heures quand même pour le platine de Rise of the Ronin, donc c'est correct hein, pour un jeu en open world en plus. Dragon Dogma, je pense que c'est au moins le double, à mon avis. Hein. J'ai pas la durée du jeu des quêtes principales, rien que ça déjà, ça doit être assez long. Plus le contenu secondaire. Lourd, lourd. C'est bien ça, dans les missions qu'on l'on relance, ils ajoutent plein de petits raccourcis pour se téléporter, etc. Là, vous voyez que je me téléporte à chaque fois. Ça, de base, c'est pas normal dans la mission. Tu dois faire le trajet à pied, normalement. Et là, ils te disent, bah, pour aller plus vite, allez, hop. Va là-bas. Trop pratique. Suicide Squad, faut payer le Joker. Ils ont trouvé le moyen de faire un déblocage anticipé. J'ai pas suivi, hein, parce que moi, je joue pas à Suicide Squad, etc. Mais tu me diras ce que t'en penses peut-être, Dylan, mais j'ai cru comprendre que les gens n'étaient pas tout à fait satisfaits du Joker. Non? Parce que si en plus des DLC, ils ratent les DLC, Suicide Squad, ça va être compliqué. S'ils ratent les contenus additionnels, on va pas y arriver. Hein. Ils vont pas y arriver. On en est où? On en est à toi, je crois. Mais vraiment, on n'avance pas, c'est ouf. Vite, en fait. Ok, le prochain, c'est Ijikata. Tac. Et comment que les coupures sont? Écoute, moi, ça va, mais moi, étant donné que je ne regarde pas le live, j'en sais rien. Mais en tout cas, comme ça, moi, ça va. Hop. Au moins, senteur pour le 3% de Dragon Dogma. À chaque fois, je mets le S, c'est terrible. Dragon Dogma. Je n'ai pas la moindre idée en vrai, ouais, mais au moins ça sans souci, hein, à mon avis. Hop là. Effectivement, comme le rappelle Jennifer, il y a toujours un personnage secret à trouver. On avait débloqué 3 indices lors du dernier live. On peut toujours débloquer 3 nouveaux indices ce soir si on dépasse les 200 pouces bleus, encore une fois, hein, comme chaque live. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais, n'hésitez pas. C'est le moment, on le rappellera tout au long de ce live. Et les 3 indices que l'on a déjà, c'est qu'on sait que c'est un personnage fictif. Voilà. Un homme fictif, mais pas un humain. Donc un personnage masculin fictif. Bon courage pour le trouver. Je vous rappelle que le premier qui trouve, c'est 400 points directement gagnés. Juste pour trouver un personnage, ça fait plaisir. Je vous en prie. Je sais. Hop, alors. Ouais, c'était toi, hop. Plus Kondo. Hop. On avance. Il te reste quoi à faire? Il me reste. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là au début du live. Relancer une mission avec tous les partenaires. On est en train de faire ça.
Ensuite, une fois que ça c'est fait, il y a une mission à terminer sans partenaire, parce qu'on peut aussi ne pas mettre de partenaire. Et il faut que j'élimine un ennemi avec chacun des types d'armes disponibles dans le jeu. C'est tout. Donc globalement, ça va aller assez vite. Une fois qu'on a fait ça, on lance une mission, on la finit entièrement. Une fois que la mission est finie, on tue des gens avec 9 armes différentes. Et c'est bon, le platine tombe. Donc normalement, 21h environ, le platine tombe. Ce qui est plutôt large. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un live. On était sûr de débloquer le platine aussi rapidement. Je vous en prie. Je savais. Prochain jeu après. Alors prochain jeu, la question se pose de Dragon Dogma. Peut-être Dragon Dogma. Et s'il n'y a pas Dragon Dogma, le prochain jeu c'est Stellar Blade qui arrive le 26 avril, dont une démo est disponible dès hier. Et peut-être que la deuxième partie de ce live, on fera peut-être la démo de Stellar Blade pour découvrir ce que ça donne. Ouais, et le jeu sera fait en guide complet pour ceux que ça intéresse. C'est un style un peu particulier, mais ça fait partie des bons jeux. Peut-être à essayer. Vu que c'est une période un petit peu creuse en ce moment, il faut peut-être tenter tout ce qui passe par là, parce que sinon ça va être compliqué de tenir jusqu'à la deuxième partie de l'année. New Game Plus est-il dispo pour Rise ou pas? Non, il n'y a pas de New Game Plus. Par contre, tu peux relancer toutes les missions après la fin du jeu et tu gardes tout ton équipement et ton évolution. Donc on peut considérer que c'est un New Game Plus, mais c'est moins englobant parce que faut relancer chaque mission à chaque fois, quoi. Mais pas New Game Plus. Et je sais pas si c'est prévu, ça m'étonnerait. Oh. Tac, ça donne quoi la suite du guide Final Fantasy VII pour les simulateurs? C'est pas du tout au programme pour l'instant parce que Rise of the Ronin m'a pris la semaine entière, j'ai pas pu faire du Final Fantasy. Et la question se pose de est-ce que j'y retourne ou est-ce que je fais du Dragon Dogma. Donc pour l'instant c'est pas encore prévu la suite de Final Fantasy. Mais peut-être que finalement je vais me dire Dragon Dogma tant pis et je vais retourner sur Final Fantasy, je ne sais pas. Je vais peut-être tenter de faire une première vidéo sur Dragon Dogma et en fonction du succès de celle-ci, je vais voir si ça vaut le coup de continuer ou si on passe. Et dans ce cas-là je reviendrai sur Final Fantasy. Est-ce que je t'ai pris, toi, Ijikata? Je ne sais pas. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis une petite stat ou un petit truc pour savoir si on l'a déjà utilisé. Est-ce que je sais plus? Je sais plus. Bon, dans le doute, hop. Kondo, et prochaine fois, ça sera Ito et Yagamata. Faut surtout que je fasse ça. Ouais, à chaque fois que je regarde les prochains comme ça, je sais. Est-ce que de la coop sur Stellar Blade? Je ne crois pas. Je crois que c'est 100% solo, hein. Faut que je refasse un petit point sur tout ce qu'ils ont annoncé. Là, je pense que je ferai une vidéo dans les deux prochaines semaines pour refaire un gros point sur Stellar Blade. Sur tout ce qui a été dit des développeurs, tout ce que l'on sait, etc. Comme ça, pour ceux qui ont une grosse preview, hein, comme je fais souvent. Une vidéo faut-il acheter pour se remettre bien à plat sur tout ce qu'il faut savoir. Et je crois pas qu'ils aient annoncé de coop, mais vu que j'ai pas refait de point, peut-être que je peux te dire une bêtise, mais bon. Est-ce que tu as des infos sur le prochain Assassin's Creed? Il n'y a pas plus d'informations que ce qui a été donné. Par contre, dans les prochains jours, je compte refaire un gros récap de tout ce que l'on sait, histoire de se remettre bien dans le bain. Parce que normalement, on va arriver en avril. Et avril, c'est pour Ubisoft une date importante, c'est la fin de l'exercice fiscal. Et souvent, la fin de l'exercice fiscal amène à de nouvelles présentations prochainement. Donc je pense qu'il serait intéressant de refaire un gros point avant début avril sur les projets Ubisoft comme Star Wars, sur les projets Ubisoft comme Assassin's Creed Red. Comme ça, on remettrait tout bien comme il faut de ce qu'on doit savoir et on est prêt pour la suite. Mais pour l'instant, pas plus d'infos que ce que l'on a déjà su depuis un moment, c'est-à-dire que ça se passe au Japon, qu'il y a deux personnages principaux, une femme, un homme, un samouraï, une ninja.
à la fois de la discrétion, à la fois du bourrinage. On ne sait pas encore comment ça va s'inclure en termes de narration. Est-ce que ça va être un coup l'un, un coup l'autre? Est-ce que ça va être mélangé? Mais voilà. Et bien sûr, méga open world immense. Mais ça, personne n'en doutait. Hop. La démo dure une heure à peu près. J'ai vu, ouais, environ une heure et demie, ouais. Donc c'est vrai qu'il faudra prendre son temps si on veut pas que ce soit fini avant la fin du live, mais... Et si on finit la démo trop tôt, bah on fera 10 minutes de Dragon Dogma et puis voilà. On créera le personnage sur Dragon Dogma. À combien de pourcents du trophée on est? ?93 Et on progresse. Hop. Bonjour madame, pour la 18e fois d'affilée. Je sais. Alors. Les derniers AC sont les plus vendus, quoi qu'on en dise, je les ai surkiffés. Moi aussi, je pense que je suis l'un des seuls à dire que Assassin's Creed Valhalla est vraiment bien. Moi perso, ouais, hein, franchement. Hein. Alors c'est vrai que c'est très remplissage sur le 100%, on est bien d'accord, mais à part ça, sinon, je suis bien plus content de ce qui est devenu Assassin's Creed ces dernières années, plutôt que les virages qui étaient avant Origins. Franchement, avant, avec Syndicate, etc. Et là, vraiment, on a pu révoluer Assassin's Creed, quoi. C'est pour moi beaucoup mieux. Hop. Même sur... Ah, bah voilà. Même si on a perdu un peu le côté assassin, bien sûr, il est en train de revenir petit à petit. Bon, et ben voilà, le trophée que l'on voulait est débloqué. Alléluia. Donc c'est vous qui me restez. Très bien, les deux vieux avec les queues de cheval. Très bien, d'accord. Bon, on est dans le thème. Très bien. Impeccable. Bon, et ben premier trophée de ce live, impeccable. On va tout de suite enchaîner sur le suivant. Le suivant, c'est de terminer une mission sans alliés. Alors, on va sans doute relancer une mission du début de jeu. Comme ça ira plus vite. Et par contre, je sais même pas comment on fait pour faire sans alliés, mais on va trouver assez rapidement normalement. Je pense qu'il doit y avoir un bouton pour faire retirer ou un truc comme ça. Commençons. T'es déjà là, toi. C'est bizarre que tu sois déjà là. On va sélectionner une autre mission. Petite question sur Final Fantasy 7. J'essaye de mettre mon niveau d'équipe level 10. Il me manque 5 XP et je ne vois pas. Qu'est-ce que j'aurais pu louper? Est-ce que tu as une idée? Là, comme ça, non. Qu'est-ce qui pourrait te manquer si tu es 100% sûr d'avoir tout amélioré? Bonne question. Je ne sais pas. Non, aucune idée. Du coup, peut-être celle-là. Voilà, plutôt. Alors, du coup, retirer. Impeccable. Je suis tout seul. On y va, c'est parti. Bon, moi, effectivement, le trophée va tomber à peu près à 21h, hein, un petit peu moins même d'ailleurs, normalement. Tac. Le trophée, il peut pas se faire en début de partie. Effectivement, tu pourrais le faire dès le début du jeu. En chaque début de mission, tu peux choisir tes alliés. Effectivement, au début, tu peux enlever tout le monde si tu as envie. Après, au début du jeu, tu es quand même plutôt faible, entre guillemets.
Donc, c'est quand même intéressant d'attendre la fin, comme ça tu relances une mission quand t'es fort. Et comme ça, il n'y a pas de soucis, quoi. Alors que les alliés peuvent être très intéressants, quand même. Ça peut t'aider à te réanimer en cas de mort. Bon, ça peut se faire, mais bon, c'est pas... C'est vrai qu'en 100% optimique, tu peux le faire comme ça, ouais. Mais bon, c'est tellement rapide de relancer une mission que c'est pas une obligation. Est efficace hein. Mais après c'est aussi parce que je suis 40 niveaux au dessus. Je suis animé avec d'autres armes aussi, c'est vrai. On va le faire plutôt en open world, comme ça je serai tranquille pour avoir le temps de m'organiser. Et j'essaie peut-être de trouver une jolie zone. Oui, bon, ça va, parce que certes j'aurai pas le platine le plus joli possible sur Rise of the Ronin, parce que le plus joli que vous pouvez faire, c'est de laisser un chat. Vous laissez un phal à toute fin et vous trouvez un joli chat dans une belle zone. Et comme ça, vous avez un platine sur un tout mignon. Un petit chat mignon. Moi, j'ai déjà tout récupéré. Donc, il va juste me rester effectivement de tuer des gens. Donc, peut-être que si j'arrive à trouver, je sais pas, une zone de montagne ou un truc comme ça, avec des ennemis, ça peut être sympa. On va voir. On va essayer de s'organiser. Voilà le petit trophée Ronin solitaire, terminé une mission sans alliés. C'est effectué. Il ne me reste donc plus qu'un seul trophée, mesdames et messieurs. Le platine va donc pas tarder à tomber. Comme prévu, c'était rapide. Mais j'ai pas pu laisser beaucoup plus que ça. Étant donné que la majorité des choses ont été enregistrées pour le guide. Hein. Donc c'est souvent comme ça. Mais je suis content parce que souvent, quand j'ai le doute, des fois, en me disant, putain, il y a vraiment rien qui va rester. Il arrive toujours un petit truc quand même à la fin où il faut farmer, où il faut débloquer des trucs. Et donc finalement... Il y a toujours un truc qui me reste. Alors, on va plutôt aller dans la région de Edo. Je pense que c'est l'endroit où il peut y avoir le plus de jolies choses. Et on va vérifier que c'est le dernier trophée qui me reste aussi. Pardonne-moi parce que... Intrusion. Normalement, on a déjà vérifié, mais pour être sûr. Hein, histoire de ne pas faire de bêtises et d'attendre le trophée alors qu'il ne viendra pas. J'ai pas la moindre idée des armes que je n'ai jamais utilisées non plus, donc faudrait que je trouve un endroit où il y a beaucoup d'ennemis par contre, parce que sinon... Alors est-ce que dans ces zones-là, ça peut pas être pas trop mal? Ça se trouve, là c'est pas mal. Je me rappelle qu'il y a une zone où on peut voir le mont Fuji en fond, vous le voyez en face de nous, mais le problème c'est qu'il y aura jamais assez d'ennemis pile poil au bon endroit, parce que tu vois, le mont Fuji est par là. Donc si je me mets dans ce village peut-être... Là, en regardant... Non, ça va être pas ouf, là. Dans ces zones-là, c'est peut-être pas mal. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Et du coup, le trophée manquant, c'est... On va vérifier. Attends. On va vérifier qu'il y ait un seul trophée. Normalement, le trophée manquant, c'est... Éliminer des ennemis avec chaque type d'arme. Normalement, il y a 9 types d'armes. Donc, je suis à 90%. Il me manque 2 trophées. 50 et 51. Donc, effectivement, c'est bon. Il y a... Celui-ci, touche à tout, battez un ennemi avec chaque arme, je suis à 55%, donc il y a la moitié des types d'armes que je n'ai jamais utilisées. Globalement, je l'utilise soit le katana, soit l'odashi, soit les épées. Le reste, j'ai pas dû trop utiliser, voire pas du tout. Et le platine, qui actuellement est à 0,6%. C'est pas beaucoup, je pense que ça va monter dans le futur quand il y aura eu un peu plus de temps, puisque c'est quand même accessible. Un bon jeu à platiner à me proposer. Rise of the Ronin, Damien. On y est. Sinon ouais, ça dépend ce que tu as déjà fait, hein, comme toujours, hein. Sinon ouais, je ne pourrais que te proposer tous les jeux que j'ai fait en guide. Comme ça tu suis les guides. Voilà. C'est simple. Hein. Alors là il y a des ennemis mais c'est pas très joli. Peut-être que si j'arrive à en attirer certains, déjà on va mettre un peu le jour parce que ce sera toujours plus joli. T'en penses quoi de Final Fantasy VII Rebirth? L'histoire est top. Alors, ils ont complexifié quand même beaucoup. Moi, ça me plaît pas trop. J'ai l'impression de regarder un film de super-héros et je déteste ça. Donc, un peu mitigé, mais c'est 100% de mon avis moi-même.
Par contre, méga déçu de ce qu'ils en ont fait de leur open world là. D'avoir fait 3 milliards de trucs partout là. Les rapports d'enquête, les machins comme ça, ça sert à rien. Il y en a des centaines. Oh, c'est comment couper tout le plaisir de Final Fantasy quoi. Tu prends un bon jeu, tu le remplis de trucs de merdouilles comme ça quoi. Trop dommage. Trop dommage. Mais bon. À part ça. Ça reste un très très bon jeu. Est-ce qu'on voit le Mont Fuji? Non, est-ce qu'il serait pas caché derrière cette montagne? Je crois. Voilà, on n'est pas assez haut. Dommage. Dommage, est-ce que je peux monter sur le temple? Parce que peut-être que si je tue quelqu'un avec mon fusil, à la fin... Ah non, mais non, forcément, c'est des armes au corps à corps, c'est pas avec le fusil. Peut-être que les ennemis viendront me chercher quelque part. Attends. On réfléchit, on a le temps, donc je vais essayer de me faire un platine pas trop dégueulasse. Pour une fois que j'ai le temps de réfléchir. Après, est-ce que le mont Fuji, c'est vraiment... Ah, oh, il est derrière là-bas, ouais. Il est tout derrière. Par contre, du coup, s'il y a des ennemis là-bas, c'est peut-être mieux. On va voir. Final Fantasy, ils ont vraiment abusé sur l'open world. Mais c'est dommage, hein. C'est dommage. Ils ont pris leur jeu, c'était génial. Et ils ont fait les mêmes erreurs que tous ceux qui font des open world, pas ouf. Sans déconner, quelle drôle d'idée. C'était pas nécessaire sur Final Fantasy, on n'a pas besoin de ça. Hein. On n'a pas besoin de ça. Autant sur un Assassin's Creed, on s'y attend. On s'y attend, c'est le style. Et t'as un Assassin's Creed, tu t'attends que ce soit un monde immense, rempli de bordel. Ça ne surprend pas. Sur Final Fantasy, c'était pas nécessaire de transformer ce jeu en ça. Quelle drôle d'idée. Et encore moins de le rendre obligatoire pour Platine, pitié. Laissez-nous tranquille. Donc dommage sur ce point-là. Mais ça reste quand même un excellent jeu. C'est clairement le meilleur jeu depuis le début de l'année. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de discussions possibles. Je retente encore quelques endroits parce que là, je suis pas satisfait non plus. Même si c'est pas dégueu, mais il y a peut-être mieux. Donc on va juste continuer encore de chercher. Et s'il n'y a rien qui me satisfait, que je suis un peu trop chiant, on fera le platine et puis let's go. Est-ce que tu as des infos sur Chrono Odyssey? Chrono Odyssey, c'est un MMORPG ça, non? C'est ça, hein, c'est un MMORPG magnifique qui tarde à s'annoncer. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, hein, c'est ça, hein, je crois. Et du coup, pas plus d'infos, mais le projet continue. Soyez patients. Bon, avec le soleil, c'est pas moche, hein, en vrai. Si le soleil continue d'être là, on peut peut-être faire un truc. Alors, je sais pas combien vous êtes là-dedans. Vous êtes combien? Vous êtes 4? Vous êtes 3? Vous êtes 3? Et je sais pas combien d'armes il me reste à tenter. On va voir. Alors, par type. Donc, katana, je suis quasi sûr d'avoir déjà utilisé et tué. Ensuite, on a... J'ai beaucoup de katana. À cette collection, hein. Oh, je suis à 1700, j'ai 1794 armes différentes. Voilà, donc s'il y en a qui se demandaient s'il y a beaucoup de loot sur Rise of the Ronin, oui, beaucoup. Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, lance, je suis pas sûr d'avoir déjà tué quelqu'un avec une lance. Bonne question. Dans le doute, on va prendre et on va tenter. Épée double, normalement, ouais. Mais vu que j'ai un doute, on va prendre et on va tenter. Alors, bah commençons. Par contre, attends, je suis à 50% du trophée. Vu que c'est une zone jolie, il serait intéressant d'aller tuer 2-3 ennemis dans une zone moche, avec des armes que je n'ai jamais utilisées, et après laisser juste une ou deux armes dans les endroits jolis. On va faire comme ça. Tu en as combien qui ont le même nom? J'ai pas fait gaffe des doublons. Il y en a sans doute énormément des doublons parce que 1700, il n'y a pas 1700 armes uniques, on s'en doute. Tu peux faire une save. C'est vrai, vu que c'est un trophée, ça doit se cumuler avec les saves, t'as raison. C'est une très bonne remarque. Ça va très bien marcher comme ça, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Bien vu.
Est-ce que c'est joli pour un platine? Ouais, c'est pas dégueu. Ok, donc la lance c'est fait. Maintenant double épée. Hop, ok. Ensuite il en reste un là-bas au-dessus. Je vais juste vérifier à combien je suis du trophée. Hop. Parce que quand il y aura le trophée, je vais essayer de quand même me mettre face au soleil, histoire que ce soit un peu près joli quand même. 55%. J'étais à 50. J'ai donc augmenté de 5%, c'est ça? Un truc comme ça, hein. Ok. Donc il y a une arme que j'ai déjà dû utiliser et l'autre pas. Très bien. Continuons. Du coup, alors lance c'est ok. Épée double, j'ai déjà dû les utiliser, c'est pour ça. Ensuite, Odachi, c'est déjà utilisé 100% sûr. Sabre. Sabre jamais utilisé, j'en suis persuadé. Ensuite, ce grand machin, pas sûr non plus. Hop. Hop. Ok. J'aurais dû recharger ma surgarde avant de changer mon équipement. C'est pas grave. On va juste aller le buter lui. Bonjour monsieur. On va faire un petit jump là. Oula ! Ouh ! Impec. Tac. Tu peux appuyer sur le trophée et carré pour montrer le pourcentage. Bah, y a pas besoin, il est marqué en gros. C'est marqué 55%, il n'y a pas besoin d'appuyer sur carré. Bon, là je suis à 66, on le voit. Juste en dessous là. Pourquoi tu veux appuyer sur carré? Hop. Alors ça c'est fait, 66%, très bien. On va recharger la sauvegarde. Ah oui, par contre c'est chiant. Le truc qui est chiant c'est qu'il faut quitter le jeu, recharger la sauvegarde. Ouais. Il n'y a pas de directement chargé. Bon enfin ça va, il y a pire. Hop. Charger une partie. Et ici. Pour épingler le trophée, le suivre c'est plus facile. Ouais mais c'est moche. Je suis bien d'accord, on peut effectivement épingler le trophée, mais épingler le trophée sur PlayStation c'est terrible. C'est moche. Vraiment, je sais s'il y en a qui ont joué sur Xbox, vous savez à quoi ça ressemble l'épinglage de trophée Xbox. C'est un tout petit truc marqué en textuel tout joli en bas. Tu vois, où vraiment c'est hyper, hyper bien à suivre, comme si t'avais un petit truc qui se rajoutait. PlayStation là, t'as un truc qui prend la moitié de l'écran là, sans déconner. Pourquoi je suis là? Quelque chose me dit que c'était pas la bonne sauvegarde. Ah si, c'est bon. C'est juste qu'il m'a remis là. Très bien. Hop. Allez, au galop. Toujours le beau petit soleil, c'est bien. T'es quoi toi? Sanglier? Ouais, ça peut être joli aussi un platine sanglier. Attends, j'arrive. On va peut-être faire un truc comme ça. Il te reste 3 armes. Ok. Eh ben on va reprendre notre sabre déjà. Alors on va regarder, on va réfléchir. Donc effectivement, il me manque normalement le sabre. Il me manque donc normalement, donc ça je viens de le faire. Le fusil à baïonnette, pareil, j'ai pas dû l'utiliser. J'ai utilisé que des armes longues distance, mais pas le fusil baïonnette en lui-même. Donc ça ferait 2. Épée longue, j'ai déjà dû l'utiliser. Et ça, Nawayedao là, je crois pas non plus. Donc ça ferait 3, et c'est tout. Ok, donc effectivement, ça paraîtrait tout pile. Impeccable. Donc on va déjà faire les deux suivantes. Bonjour. Donc là je sais pas avec quoi, avec le sabre je suis, ouais ok très bien. Tac. Donc le sabre s'est effectué. Fusil baïonnette.
Aïe. Ouais, bah j'allais dire au cas où que le trophée tombe, je me mets sur face au soleil, mais non, c'est bon. Ok, donc effectivement, il va me rester normalement une arme. Donc ça va être l'arme imprononçable. Voilà, celle-ci. Et on va se la faire contre le petit sanglier qui était là-bas. Il est 21h, et bien on fait tout ce qu'il faut, rassurez-vous, quand le platine tombe, c'est-à-dire dans quelques instants, normalement. Allons retrouver le sanglier, en espérant qu'il ne soit pas parti. Là, ce serait joli, là. Ce serait joli, un petit sanglier avec le soleil, là. Il est où? Allez, me dis pas que t'as disparu. T'as disparu? Oh non, le sanglier. C'est Obélix encore, hein. Il est terrible. Ah ah. C'est bon, je le vois. Allez, c'est parti. Alors, attendez, on va juste vérifier. On va juste vérifier. Histoire de faire une fausse voix, mais normalement, on doit être à 90% du trophée. C'est long. C'est lent. PlayStation, merci. On est à 66 seulement. Ça n'a pas monté plus que ça. Ça me paraît pas beaucoup, 66. Est-ce que les armes à feu comptent? Peut-être que les armes à feu comptent aussi. Pas les armes à distance, je veux dire. Bonne question. Clique dessus. Oui, c'est vrai. Allez, on va voir le truc en détail. Vous avez raison. Tac, tac, tac. Donc, on est à 6 sur 9. Ça n'a pas monté. Étrange. Bon, bah c'est pas grave, attendez, on va recommencer de toute façon. Vas-y, viens mon petit sanglier. Ok, donc pas de trophée, ça, bon, ça nous choque pas trop. Est-ce que maintenant j'ai 7 ou pas? Après, ça veut peut-être dire qu'il y a des armes que j'ai cru utiliser mais que j'ai pas utilisées. Mais par exemple, l'Odashi, je suis persuadé, j'ai fait la moitié du jeu avec. 77, bon. Donc il en manque 2. Quelles sont les 2 armes que je n'ai jamais utilisées? What the fuck? Épée longue, bah peut-être. Bah je suis sûr que si. Oh, mais on dirait l'épée de Cloud, mais en bois. Ça me paraît bizarre que je n'ai jamais utilisé d'épée longue, mais ok, très bien. Fusil à baïonnette, on vient de le faire. Ça, je l'ai fait juste avant aussi. Sabre, je l'ai fait avant aussi. Odashi, j'ai fait la moitié du jeu avec. Notamment durant le dernier live. Épée double, on l'a fait aussi. Lance, on l'a fait aussi. Katana, j'ai fait la moitié du jeu avec. Je crois. Ouais, je suis sûr d'avoir tué quelqu'un avec un katana. À moins que... J'ai peut-être confondu katana et épée double. Attendez. Dans le doute. Comment on se regarde dans le jeu? Alors, ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Attention, c'était compliqué. C'est pas souvent comme ça dans les jeux. Faut être bien concentré. Ça va aller très vite. Fais pause. Système. Sauvegarder. C'est bien caché. Hein. Refait un kill avec chacun. Ouais, ouais. Mais de toute façon, on va déjà peut-être faire le tirage au sort. Non, 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 on va attendre le platine. On va attendre le platine. Je veux le platine avant le tirage au sort. Je veux juste résoudre le mystère parce que ça me paraît bizarre. Est-ce qu'il reste un ennemi? Oui, il reste un ennemi. Monsieur, bonjour. Pour la science. Je suis avec le katana là. Ok. Tac, main nue peut-être? Hein? Non, main nue, non. Il y a pas, en vrai, non. Parce que il y a 9 types d'armes, normalement. Il y a 9 types d'armes. Donc, si le trophée demande 9, c'est chaque type d'arme. Hein. Donc, c'est katana, 1. Lance, 2. Épée double, 3. Odashi, 4. Sabre, 5. Naginata, 6. Fusil à baïonnette, 7. Épée longue, 8. Et Niwenyado, là, 9.
net précis. Mais, du coup, là, je viens de faire avec le katana. Peut-être que finalement, j'avais tué personne avec le katana. C'est possible. Est-ce que je suis à 80 et quelques pourcents? Non. Je suis toujours à 77%. Eh ben, on va effectivement tout reprendre petit à petit, un par un. Donc, katana, on vient de le faire. On va pas recharger de sauvegarde au cas où que ça fasse des choses bizarres. On va prendre la lance et l'épée longue. On y retourne. Tac. As-tu monté toutes les armes au niveau max? Non, et ce n'est pas nécessaire. Alors du coup, par contre, j'ai plus personne ici. C'est dommage, parce que j'aimais bien mon petit endroit. On va donc oublier ce petit endroit et juste se concentrer sur le platine. Et rassurez-vous, le tirage au sort arrive dès qu'on a le platine. Tout va bien, le tirage au sort viendra. Par contre, c'est vraiment bizarre, hein, ce trophée, parce que vraiment... Autant l'épée longue, je peux avoir un doute, mais à part ça, c'est tout. Le fait qu'il manque deux armes, c'est trop bizarre. C'est peut-être la relance de sauvegarde hein, qui est embêtée. Mais normalement, non, hein, ça s'enregistre dans les trophées et c'est bon. Que t'as fait avec l'arc et le pistolet? Non, mais c'est pas, ça compte pas. C'est vraiment, il y a 9 types d'armes principales. Et le trophée en demande 9. Il n'y a aucun doute, c'est les 9. Il n'y a, y a pas besoin des armes secondaires. Ça ne compte pas, c'est 100% sûr. J'ai besoin de ton aide. Mais sinon, l'arc, j'ai pas dû faire. Pistolet, j'ai dû faire. Ok. Donc épée là, attends, on va attendre que... Voilà, on va attendre, comme ça le jeu enregistre le truc. On est bon. Est-ce que c'est passé au-dessus ou pas? Toujours 77. Mm-hmm. Refaisons à la lance. Ils sont où là-bas? Voilà, il me semble qu'il est mort là. C'est bon? On est d'accord? Tac. Synchronise les trophées peut-être. Il n'y a pas besoin, hein, ça se fait. La synchronisation c'est après. Normalement le trophée se débloque quand même dans le jeu, même sans être synchronisé. Et après l'affichage peut effectivement être désynchronisé, mais là on n'a pas débloqué le trophée. Donc ensuite épée double, ok. On continue. Donc après épée double, on avait l'Odachi. Et si l'Odachi me débloque 1%, je ne comprends rien. Vraiment, mais j'ai fait tout le jeu avec mon Odachi. Mais 100% quoi. Ce serait incompréhensible. Bonjour. Tac. Attends, change d'arme, chef. Hop. Odachi donc. Ok. Continuons. Et main nue. Pareil, non mais vraiment, il y a 9, encore je le répète, il y a 9 types d'armes, sans compter main nue, sans compter fusil, etc. Il y en a 9 des types d'armes. 9. Le trophée en demande 9. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Il n'y a aucun doute. C'est juste que ça, il y a des trucs qui comptent pas, c'est bizarre. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un type d'arme qui ne compte pas pour devoir utiliser les mains nues, vu qu'il y a 9 types d'armes. C'est forcément utiliser les 9 types d'armes. Et il n'y a aucun doute. Tu peux faire Gum Ghost avec le panier nu. Alors nu, je ne pense pas. Par contre, je peux effectivement mettre un panier sur la tête. C'est une très bonne remarque. J'ai complètement zappé le panier sur la tête. Bonne idée. Oh, plus de batterie. Après, peut-être que celle que tu as oublié d'utiliser avec le sanglier n'a pas compté qu'à certains animaux. C'est une idée intéressante. Ils disent bien ennemi. Donc peut-être qu'un sanglier ne compte pas comme un ennemi. C'est vrai. Alors effectivement, bonne remarque, est-ce qu'on peut se mettre... Sinon je mets un, je mets un masque comme ça. Non, je pense qu'on va faire comme... Oh, il est beau celui-là aussi, là. Oh là là, oh. Ah. 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 Alors, là, il y a débat. Soit on se met ça, mais je suis pas sûr qu'on le voit, parce que je sais pas si j'aurai le temps de bien tourner la caméra.
ça se tente, hein. Soit à l'ancienne. Ça mérite un sondage. Bon, écoutez, on va faire le tirage au sort maintenant, parce que là, on en a encore pour un quart d'heure, ça se trouve. On va faire le tirage au sort. Hop, tac. Et après, on fait un sondage pour savoir ce que vous préférez. Allez, on commence déjà, un petit jingle et un sondage. 20h-23h, tous les dimanches, avec Snir. Oh, tous les dimanches de 20h à 23h, les amis. Dimanche prochain, qu'est-ce qu'on fera? Je sais pas, on verra. Dans tous les cas, maintenant, c'est le platine de Rise of the Ronin. Il arrive bientôt, dans les prochaines minutes. En attendant, tous les dimanches, vous pouvez gagner des points café qui sont les points de fidélité du live. 15 points café à gagner dès maintenant. Point d'exclamation, tasse dans le chat. Vous pouvez participer en écrivant ça. Pas d'espace, une seule participation suffit. Et le premier gagnant sera tiré au sort dans un instant. Du coup, je vous laisse un peu participer, mais du coup, la question qui se pose pour mon platine, est-ce que vous préférez que j'ai un panier sur la tête? Ceux qui sont là depuis maintenant quelques années savent que c'est très exactement la tenue que j'avais dans Ghost of Tsushima quand j'ai fait mon platine. Ainsi, peut-être que tous les jeux japonais mériteraient d'avoir un platine avec un panier sur la tête. Ça me paraît une théorie intéressante. Jusque-là, c'est effectivement le choix que j'avais. Cependant, nous venons de découvrir un masque absolument fabuleux. Que tu m'as un masque de grand-mère dégueulasse, mais bon, ça peut être sympa aussi. Donc, je vais vous faire un sondage dans un instant dans le chat et vous aurez à choisir qu'est-ce qu'on va apprendre pour mon platine. Quel chapeau? Grand-mère, panier. Hop. Le sondage apparaît dans le chat dans un instant et c'est à vous de choisir. En attendant que vous puissiez vous décider, on va essayer de trouver la tenue qui fait la plus dénudée possible. C'est un début. Puisque pareil, Ghost of Tsushima, on avait mis un string et c'était donc un fabuleux platine. Panier sur la tête, pagne, on était au top. Je ne sais pas ce qu'il y a dans Ghost of Tsushima de plus dénudé. Est-ce qu'on peut simplement enlever aussi peut-être? Mais oui, on peut enlever! Oh là 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 là! Quelle magnifique platine qu'on va avoir! Mais pas besoin de belle vue! On aurait eu le Mont Fuji! Qu'est-ce que ça aurait changé? On en a rien à foutre de la vue! On est focalisé sur autre chose! Ah, c'est fabuleux! Donc voilà les deux possibilités: soit une grand-mère à poil, soit un mec qui a un panier sur la tête. Il est où le panier? Voilà. C'est les deux choix. Choisissez. Quel est le plus ridicule? Incroyable. Hop. Enfin, en espérant qu'on puisse débloquer le platine, parce que ça se trouve, le trophée est un peu buggé. Je vais juste un petit tour, parce que ça se trouve, il y a encore autre chose, mais je crois pas. Je crois que là, on est dans le summum. Hein. On est dans le summum de ce qu'on puisse espérer en termes de qualité. Bon, apparemment, la grand-mère est à 70%, donc je pense que c'est le masque de grand-mère qui va gagner. Et ben, ça me va très bien pour le masque de grand-mère. Impeccable. C'est génial. Regardez-moi ça. On va remettre le beau temps quand même. On va faire les choses bien. Et on va continuer de faire toutes les armes au fur et à mesure, en espérant que ça se débloque. Hein, parce que quand même, là, c'est pas très coopératif tout ça. Hein. Allez, je vous laisse encore quelques instants pour participer, point d'exclamation tasse, les amis, pour tenter de gagner le premier tirage au sort de la soirée. Et puis voilà, quel style incroyable. Mais oui, c'est fabuleux. C'est fabuleux, regardez-moi ça. Incroyable. Hop là. Alors du coup, je sais plus où j'en étais au niveau des armes. Avec mes conneries. Le sabre, je crois que je venais de l'utiliser. Oh, j'avais pas vu que niveau posture, il fait vraiment de l'escrime. Regarde, il saute là comme on serait aux Jeux Olympiques là. Ouais, petit détail sympa ça. Petit souci de détail. Alors viens mon pote, viens que je te tape en string là. Oh oui, oh oui le string. Oh oui le drop plat. Oh non non, oh non, oh non, oh non, vite, 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 vite. Ok, peut-être qu'on l'a. Peut-être qu'on l'a. J'espère qu'on l'a. Il y avait une cinématique. J'espère qu'on a le string. Le trophée platine qui vient de tomber. J'avais oublié qu'il y avait une cinématique. C'était le dernier ennemi. Bon, eh ben on l'a quand même. On l'a quand même. Donc, l'arme qu'on a déjà utilisée, je l'avais déjà utilisée avec vous, mais apparemment, ça n'avait pas compté.
Mais donc on l'a refait, donc le trophée n'est pas buggé, il est juste un petit peu pénible. Bon, et ben voilà, le trophée platine de Ghost of Tsushima qui vient de tomber. 20h-23h, tous les dimanches, avec Sneer. Oh, les 0,6% pour ce trophée platine, Ascension de Ronin, c'est débloqué, c'est fini. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a eu le droit du coup pour notre trophée platine. Bon, ah bah ça va, on a une... Ah non, ça, c'est le trophée, le platine n'est pas encore là. Le platine a sa photo, oh oui. Oh ouais. Ah mon trophée platine. C'est le dommage, on voit pas ma tête. On voit pas ma tête, donc c'est vrai que le panier aurait peut-être été bien, mais on est pas mal. En termes de photo de platine, franchement, on se met déjà bien là. Là, on est bien, on est mieux que sur un écran noir. Franchement, je suis satisfait. On va pas être trop difficile, on va dire que c'est bon. On va dire que ça se publie sur les réseaux sans trop de problèmes, avec beaucoup de fierté. On a pu... Oh, mais c'est bien, ouais, ouais, c'est bien. Ok, c'est bien, ouais. Ah, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Notre vidéo de platine, le platine se débloque tout pile. Quand on élimine l'ennemi, nickel. C'est fabuleux. Elle est parfaite. Regardez ça, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est absolument géniale. Il n'y a rien à dire. Je suis totalement satisfait. C'est génial. Bon. Et ben voilà. Rise of the Ronin, c'est terminé. Il y a 2-3 petites vidéos qui vont arriver sur la chaîne secondaire pour quelques petits trophées annexes, mais rien de très 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 important. Sinon, toutes les vidéos 100% sont déjà disponibles sur la chaîne principale. Et voilà, une soixantaine d'heures environ, après ça dépend de votre mode de difficulté. Mais ça reste accessible si jamais il y en a qui se demandent, hein. Franchement c'est largement faisable. Merci beaucoup pour la remarque effectivement du panier, j'allais pas y penser. Et c'est quand même bien plus joli. Hein. Bon, et ben voilà, une bonne chose de fait, les amis, on va pouvoir faire le tirage au sort de 21h et après on va réfléchir sur ce que l'on fait pour cette deuxième partie de soirée. Allez c'est parti, gagnant de 21h, il s'agira de Dylan. Bido, eh ben Dylan, bravo à toi, 15 points café supplémentaires, la régularité qui paye comme toujours, bravo à toi, bravo à tous. Du coup, sondage, mesdames et messieurs, pour la deuxième partie de soirée, on fait quoi? Deux possibilités, en réalité il en aurait trois, mais la troisième est chiante, pas se mentir. Première possibilité, il vient de sortir une démo du prochain jeu qui arrive en avril, qui s'appelle Stellar Blade. C'est un jeu que pas mal d'entre vous ont l'air de vouloir faire. La démo vient de sortir, ça pourrait être intéressant de découvrir ça pour voir ce que ça donne. Première possibilité, c'est ça. Deuxième possibilité, ce serait Dragon Dogma. Je n'ai pas commencé Dragon Dogma, étant donné que j'étais sur Rise of the Ronin à 100%. J'ai pas eu le temps de commencer, donc ça peut être une idée de commencer pour voir ce que ça donne. La troisième et dernière possibilité, en réalité, ce serait de retourner sur Final Fantasy pour faire les mini-jeux. Non, 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 non. Donc, on va rester sur les deux premières possibilités. Et je pense que ça sera déjà très bien. Donc, le sondage apparaît dans le chat dans quelques instants. Vous votez, qu'est-ce que vous préférez? Début de Dragon Dogma, tranquillou. Ou démo de Stellar Blade, un peu moins tranquillou, parce que c'est peut-être un peu plus bourrin. Quoique, je ne sais pas. C'est à vous de... tenter et de réfléchir. 321h sur Final Fantasy VII Rebirth, ouais mais c'est pété. C'est pété, y a pas 321h qui sont passées. Non, c'est complètement, c'est tombé. Ça doit compter les temps de pause, les machins comme ça. Parce que des fois quand je fais du montage, je coupe pas le jeu, je mets pause et je fais mon montage, etc. Et des fois pour faire des grosses vidéos 100%, je fais 5-6 heures de montage non-stop, tu vois. Donc dans ce 321, il y a des heures de montage qui sont passées sur le menu pause. Hein. C'est complètement irréaliste. Sur Rise of the Ronin, je suis à combien? Je suis à 97 heures, pareil, je dois pas être à 97 heures pour de vrai. Il y a moins que ça. Donc allez-y, je vous laisse voter. Pour l'instant, c'est Dragon Dogma qui passe un tout petit peu devant avec 57%. À vous de décider. Stellar Blade, t'en auras pour 1h, 1h30, juste ce qu'il faut, absolument. Ça dure environ cette durée-là, ouais. Dragon Dogma 2 est dur. Il y a des modes de difficulté ou pas? Je crois même pas. Hein. Je crois même pas. Donc on va voir. Je pense qu'il faut déjà bien se construire un perso pour être costaud.
Parce qu'effectivement, sinon, tu peux vite crever. Hop. On va changer un petit peu pour voir de la musique sur Dragon Dogma. S'il y a de la musique, je suis pas... S'il y a de la musique, il y a de la musique, il y a de la musique. Hop. Alors, je vous laisse encore quelques instants. Pour l'instant, Dragon Dogma est légèrement devant, donc on partirait là-dessus. Bon, les deux me vont, hein, de toute façon, parce que Dragon Dogma, faut que je regarde ce que ça donne pour m'y intéresser, pour voir si je fais des vidéos dessus ou pas. Et si jamais, de toute façon, on fait pas la démo, si jamais ça vous intéresse, la démo de Stellar Blade est disponible gratuitement. Hein. Vous tapez Stellar Blade dans le PlayStation Store et vous devrez la trouver, normalement. Des fois, les démos, c'est bien caché, hein, faut bien les fouiller. Faut bien fouiller pour trouver. Mais ça finit toujours par passer. Lundi, tu retournes sur FF ou tu vas faire Dragon Dogma 2? C'est la question qui se pose actuellement tout de suite, là. J'aimerais bien savoir le nombre de personnes qui font Dragon Dogma pour voir s'il y a de la demande, s'il y a du besoin en astuces, s'il y a du besoin en guide, etc. Je veux aller là où il y a le plus besoin d'aide, en fait. Je me rends pas compte. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de démarrer Dragon Dogma pour voir ce que ça donne, pour voir ce qu'il en est. Et en fonction de ce qu'il en est, je commence Dragon Dogma 2 sérieusement, ou alors je dis, bon, bah, tant pis, on passe... Et je retourne sur Final Fantasy. Donc pour l'instant, j'en sais rien. Je pense que je vais faire une première vidéo sur Dragon Dogma pour voir un petit peu, pour tâter le succès, pour voir ce que ça donne. Et si je vois qu'il y a du monde, des gens intéressés, et ben dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, on partira sur beaucoup plus de vidéos sur Dragon Dogma. Et ben de toute façon, en parlant de Dragon Dogma, ça va partir là-dessus, puisqu'on est à 54% sur presque 100 votants. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. On est très très serré avec la démo de Stellar Blade, mais on va quand même prendre le choix le plus voté, hein. C'est la vie, donc désolé pour les 46%, parce que la moitié, hein. C'est souvent comme ça, mais bon, on verra. En attendant la fin du sondage, je regarde les trophées. Est-ce que, vu que je n'ai pas encore lancé le jeu, il y a les trophées? Non, faut que je lance le jeu d'abord. J'ai vraiment pas lancé le jeu, à 0, hein. Mais effectivement, j'ai peur de spoiler sur les trophées, enfin on verra s'il y a des trucs masqués ou pas. J'ai pas du tout... Oh, une mise à jour d'ailleurs. J'ai pas du tout regardé ce que les gens disaient, etc. Je sais même pas s'il y a des gros points faibles, etc. Ah, y a pas de voix français. Déjà, j'apprends qu'il y a pas de VF. D'accord, très bien. Bon, bah, on va mettre en anglais, n'est-ce pas? Hop. 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 Je monte toujours un tout petit peu... Entrez votre âge, mais pourquoi faire? 99 ans, mec. Ouais, je sais. Ouais, on dirait pas, hein. Pourquoi il veut savoir notre âge? C'est-à-dire que si on n'a pas 16 ans, il dit vous pouvez pas jouer? Utilisez les fonctionnalités réseau. Cela vous permet de recruter les pions des autres joueurs. Oui, vas-y, let's go. Dans Stellar Blade, il y a une VF. Il y a probablement une VF dans Stellar Blade, ouais, j'avoue. Tac, allez, on va mettre fin au sondage. 55%. Dragon Dogma, c'est parti. Alors déjà, faudra créer le personnage. Alors vous le savez peut-être, si vous avez peut-être vu certains de mes lives, en général les créations de personnages, moi je m'en tape complètement. Il y en a qui passent des heures complètes dessus. Alors du coup, les trophées de Dragon Dogma, je découvre complètement, étant donné que j'étais sur Rise of the Ronin, j'ai pas pris le temps de regarder quoi que ce soit de Dragon Dogma. La seule chose que je connais du jeu, c'est la preview que j'ai pu faire, parce que j'avais pu jouer en avance pendant environ 3 heures au jeu. J'avais trouvé des gros points faibles au jeu, notamment je trouvais que les combats étaient très brouillons. Bon, que c'est des fois pas très très joli partout. J'avais pas un a priori négatif, mais j'étais un petit peu mitigé. Rise of the Ronin est passé devant parce que bah, j'avais fait un sondage pour savoir qu'est-ce qui intéressait le plus de monde. Rise of the Ronin était passé devant. Du coup, je débarque complètement dans Dragon Dogma. Donc, 55 trophées, très bien. Je suppose que ça va faire partie des jeux qui donnent beaucoup de trophées en bronze et peu d'or et d'argent. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de trophées liés à des boss. Ça a l'air d'être un jeu avec beaucoup de boss. Changez votre classe en archémage, conquérant, d'accord. Donc apparemment, oui, bonne nouvelle, on n'a pas l'obligation d'avoir une seule classe du début jusqu'à la fin du jeu. Dans Dragon Dogma, vous pouvez changer à tout moment de classe de personnage et passer d'un personnage corps à corps à un personnage à distance et ainsi de suite, autant que vous voulez. Donc c'est cool. Achetez votre demeure, effectivement, vous pouvez acheter une maison. Voyager après, ok, c'est le voyage rapide. Je regarde rapidement, histoire de me donner une idée. Hein. Mais si c'est pas facile, tant qu'on n'a pas avancé dans le jeu. Toutes les énigmes proposées par le Sphinx, d'accord. Savoir de maîtrise, ça doit être des points de compétence, je pense. Rang maximal d'une classe, ok, il faut quand même monter au moins un perso max. Spécialisation à pion, vous allez permettre une maison de pion, accéder au menu de héros, vous obtenez 80 assignes de quête.
Les insignes de quête, c'est des collectibles. Si je me rappelle bien, j'en avais ramassé un dans ma preview. C'est des petits jetons, d'accord. Donc il y en a apparemment 80. Ok, votre équipement qui est pouvoir du dragon. Vous avez pris le bain dans une source chaude, très bien. Je regarde un peu les pourcentages aussi. Il y a les derniers qui sont assez élevés quand même. Ok, vous avez... Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs en rapport avec des sorts ou des trucs bien précis. Et sans tête, vous évitez 50 donjons, d'accord. Volé à d'autres griffons. Vous avez volé à d'autres griffons. Ça doit être lié à un ennemi un peu costaud, à un boss un peu costaud. Parce que je l'avais vu dans ma preview, ça c'était un énorme oiseau monstrueux. Et je sais pas s'il est unique ou s'il y en a plusieurs. Alors il y a peut-être des trophées manquables, faudra peut-être faire attention à ça quand même. Pour ça, ce serait bien que je claque le jeu quand même assez rapidement pour voir à la fin du jeu qu'est-ce qu'il nous reste. Ok, bon bah comme ça, ça donne pas forcément une idée précise. Il y a l'air d'avoir un peu de tout, il y a l'air d'avoir du contenu secondaire en grosse quantité. J'ai pas vu beaucoup de trophées liés au boss, peut-être qu'ils sont masqués. J'ai pas démasqué les trophées pour te donner une idée. Mais il y a l'air d'avoir quand même du boulot. Hein. Forcément, c'est un très très gros jeu. Hop, bon bah écoutez, on va se lancer, on verra bien. Hein. On verra bien. As-tu vu le bug qui bloque le platine de Final Fantasy VII Rebirth suite à la dernière mise à jour? Non, je n'ai pas vu ça. Qu'est-ce que ce bug? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a guess. Lend me your ears. Long has our Fevremon suffered without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last! The bell has tolled on the age of the Consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the Sovereign. My word, such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, of how long I have waited this moment. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge your allegiance to the Sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate.
J'ai que y a une question que je me pose parce que j'ai pas trop suivi par rapport au premier. Est-ce que c'est une suite du premier ou est-ce que ça a une histoire qui est complètement indépendante pour ceux qui ont fait le premier ou qui se sont informés? J'avoue que j'ai pas en tête si c'est une suite. Est-ce que le jeu vaut le coup? Est-ce qu'il est faisable en coop? Non. 100% solo. Alors il y a un système un peu connecté où tu peux amener des jetons de, enfin des pas des jetons, des pions de l'IA d'autres personnes en fait. Mais à part ça, sinon c'est totalement solo. Ça aurait eu de la gueule en coop. Ça aurait eu de la gueule, sauf que pour faire un jeu coop, bah, y a plein de connexions internet, etc. qui sont pas faciles à faire. Donc ils ont préféré faire un bon jeu solo plutôt qu'un jeu coop bancal, ce qui est peut-être des fois une très bonne idée. N'est-ce pas, Avatar? N'est-ce pas le jeu de super-héros là, que tout le monde a oublié déjà là. Avec Robin, tout ça là. Hein? Alors, j'imagine que c'est mon skin. Bonjour. Est-ce que c'est ma... Non, c'est pas ma classe. Hein. N'importe quel skin peut faire n'importe quelle classe. Hein. Parce que je vois qu'il y a des races différentes. On se croirait un peu dans Skyrim. T'as pas mis le bon titre. Alors, effectivement, faudrait peut-être qu'on mette un petit truc pour dire que le platine est obtenu. Parce qu'il y en a qui vont être choqués en arrivant. En pensant que c'est du Rise of the Ronin. Si effectivement, c'est plus du Rise of the Ronin, il y en a qui vont être perturbés, je vous comprends. Où est-ce que j'ai un petit texte quelque part, moi? Là. Hop. Platine. Hop. Tenue. Est-ce que je peux mettre un petit V? Ok, impeccable. Tac. Platine obtenue. Voilà, on va pas le mettre en trop gros pour pas que ça saoule. Impeccable. Voilà, platine obtenue. Du coup, bah effectivement, bienvenue. On a obtenu platine de Rise of the Ronin dans cette première partie de live. Maintenant, on change de programme. Et on passe sur Dragon Dogma. Hop, alors, du coup, effectivement, race, je peux rechanger, d'accord, ok, donc c'était juste un skin prédéfini, n'est-ce pas? Ok, bon. Comme toujours, je vais pas vous mentir. Mon personnage, en général, je m'en fous complètement. Qu'est-ce qu'il y a? Impossible tant que tout n'est pas configuré, d'accord, personnalisation avancée, ça me va très bien. Je suis impeccable comme ça, nickel. Ensuite, donc création de personnages, guerrier, archer, mage, voleur. Il n'y a pas que ça comme classe dans le jeu. Il y a des classes qui se débloquent plus tard, soit dans l'histoire je suppose, soit dans du contenu secondaire à mon avis, en ouvrant des axes peut-être, des trucs comme ça. Au total, si je me rappelle bien de ma preview, il y a 8 ou 9 classes différentes dans Dragon Dogma. J'en vois plusieurs qui me disent que voleur c'est bien. Bah écoutez, on peut démarrer en tant que voleur hein, de toute façon. Je crois pas qu'il y ait d'obligation de toute façon de faire un truc complètement dans une seule classe. Quoique, il y a un trophée qui demandait d'obtenir le niveau max d'une classe, donc ce serait quand même sans doute très intéressant de garder une classe quand même globale, principale, et peut-être après de gérer et de changer de temps en temps quand il y a besoin pour peut-être des quêtes ou des actions particulières. Non, entrez un nom. Ça va vous surprendre. Snir. Surnom. Alors. J'imagine qu'il n'y a pas Snir dans ce truc prédéfini, n'est-ce pas? Il y en a des choses. Shark. Ouais, c'est bien Shark. Hop. Et. J'ai. 355 ans. Hop. Tu n'as pas vérifié s'il y avait des bonnets. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vêtements au début. Mais il y a peut-être des semblants de bonnets dans le jeu par contre. Alors vous me voyez un peu en première personne. Je pense que c'est surtout pour la séquence d'introduction. Parce que sinon, le jeu est à la troisième personne la quasi-totalité du temps. Voilà, bon, c'est bon. Je pense que c'est la seule et dernière fois où on verra une séquence en première personne. Je ne sais pas à quel point le jeu est narratif. Parce que là, au début, on a vu une séquence avec de la cinématique, etc. On est effectivement très dans l'histoire. De ce que j'avais pu jouer, moi, j'en avais presque pas vu des cinématiques. Donc, il ne va pas en avoir tant que ça. Donc, c'est peut-être pas un jeu ultra, ultra narratif. C'est sans doute un peu comme un Skyrim pour ceux qui ont fait Skyrim, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dialogues surtout, que vous regardez les gens et vous écoutez ce qu'ils disent. Tu vieillis très vite, Snir, tu avais 99 ans il y a quelques minutes. Effectivement, j'ai pris un petit coup de vieux là, ouais, j'avoue. Dragon Dogma, vas-tu faire un guide? J'attends de voir ce que ça donne.
pour me décider. Je vais déjà faire une première vidéo. Alors peut-être pas demain parce qu'il faut que j'avance dans le jeu. Mardi. Je vais faire une première vidéo mardi. Une vidéo d'astuce générale peut-être. Et en fonction du succès de cette vidéo. Si elle dépasse les, allez, disons 10-12 000 vues on va dire. Et ben je serai en mode ouais ok il y a assez de monde sur Dragon Dogma du coup je continue. Si la vidéo elle fait moins de 10 000 vues, je pense que Dragon Dogma ça va passer. Donc voilà ce qui va décider sans doute mon guide ou mon non-guide sur Dragon Dogma. C'est s'il y a beaucoup de monde ou pas. Parce que s'il n'y a pas assez de monde, faut que je revienne sur Final Fantasy pour finir ce qu'il y a à faire sur Final Fantasy. Parce que j'imagine qu'il y en a qui ont quand même besoin d'aide pour finaliser ce platine. Voilà, c'est juste qu'effectivement, s'il y a beaucoup de monde sur Dragon Dogma, bah, faudra encore un peu patienter pour Final Fantasy. Déjà plein de gens qui l'ont pensé, Dragon Dogma, tu penses que c'est rattrapable? Bah j'attends justement, ça va dépendre. Si je vois que la vidéo a du succès, c'est que oui, c'est rattrapable. Si la vidéo n'a pas de succès, c'est que c'est trop tard. Et effectivement, c'est souvent le souci, c'est une fois que le jeu est sorti, une fois qu'il y a du retard, ça sert plus à rien. Je sais pas où je vais, hein, mais j'y vais. Hein. Faut que je te suive, c'est ça? Je suppose, t'as l'air important. On va remonter un petit peu le son. Ramasser un rocher. Très bien, très bien. Oui, arrêtez de parler, s'il vous plaît. Merci. Alors, faut voir également sur la suite du jeu. J'ai une lanterne. Oh, j'ai une lanterne. Mais pareil, de ma preview que j'avais fait il y a quelques temps, cela ressemble beaucoup à un rocher. Oh. Et solide de type. De ma preview que j'avais fait, j'avais trouvé que la plupart des quêtes étaient très peu guidées. Hein. Ça fait partie de ces jeux où on vous laisse un peu vous débrouiller. Je sais pas si c'était parce que j'étais dans une séquence comme ça, ou si la majorité du jeu est comme ça. En tout cas, ça avait l'air d'être beaucoup moins guidé que la plupart des jeux. J'ai une zone en jaune dans laquelle je suis. Mais je ne sais pas où mettre mon caillou. Ah, vous voyez, déjà là, déjà je ne sais pas quoi faire. Mission. Portez le rocher jusqu'à l'endroit où se trouve Rook pour continuer votre tâche. Ok. C'est toi, Rook? Oui. Bah, ça va, le rocher, je l'ai posé là, mec. Ouais, t'es pas loin, hein. Et bon? Super. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Voyons voir. J'arrive, attendez, je suis en train de mettre un petit texte en plus. Tac, parce que j'en vois pas mal qui vont se poser la question de pourquoi c'est Paris of the Ronin, donc hop, j'ai juste à rajouter nouveau jeu Dragon Dogma 2. Les problèmes commencent. J'ai vu un trophée où il fallait pétrifier des trucs. Je suppose qu'on va pouvoir récupérer des pouvoirs d'une manière ou d'une autre, et notamment peut-être un pouvoir de pétrification sur,
sur des boss. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire contre ça, moi? Oh, je suis monté dessus, eh. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, hein. Si, ça marche plutôt bien. J'étais comme ça avec le couteau, on m'a tué. Je trouve que certains plans de réalisation sont très rigides quand même. Ok, on se barre. Des voleurs ou guerriers que tu as pris, c'est voleurs. Voleurs. C'est vrai que comme ça, on aurait presque pu dire un guerrier, mais j'ai des petits poignards, donc ça donne un indice. C'est vrai que ma carrure fait plus guerrier que voleur, je suis bien d'accord. Pour sauter, ok, on y va. Très bien, je me suis pas posé la question. Comme ça, j'ai l'impression que je m'écrasais sur la falaise, moi, mais... Ok, très bien. Et bah très bien. Effectivement, pour rappel, ce jeu est développé par Capcom et plus intéressant encore, ce jeu tourne sous le même moteur que Resident Evil. On est sur le RE Engine, hein, qui est globalement maintenant le moteur référence de chez Capcom. Tous leurs jeux sont faits sur ce moteur. Mais comme ça, c'est vrai que ça fait pas trop penser à Resident Evil. C'est surprenant parce que c'est pas du tout un moteur qui est optimisé pour l'open world normalement. Mais ils sont arrivés à bien le gérer. Donc bah bien. Vas-tu faire le platine de Stellar Blade et le conseilles-tu? Alors le conseiller difficile, j'y ai pas joué. Donc difficile de conseiller quoi que ce soit. Mais effectivement, je vais faire une grosse vidéo récap de tout ce qu'il faut savoir pour bien être fin prêt sur ce qu'est vraiment le jeu. Ce qu'il va proposer sur la durée, les choses intéressantes, etc. Ça arrive dans les prochaines semaines, avant la sortie du jeu, bien sûr. Voilà, et du coup, oui, c'est le prochain gros jeu où c'est sûr et certain que là, on va jusqu'au platine. Stellar Blade, ça arrive le 26 avril. Je sais même plus qui développe et qui édite ça. Je ne sais pas si je l'aurai en avance ou pas. En tout cas, on fera au max pour aller au plus vite possible et sortir un guide très proche de la sortie du jeu.
Hop. Keep your distance, Arisen. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a Rift Stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Oi! Are you all right? What happened here? Alors effectivement, l'eau tue dans Dragon Dogma. On va y revenir juste après s'ils sont pas en train de parler. Il y a des choses à dire. Ok, donc il y a deux possibilités. Soit il y a une vraie raison pour laquelle l'eau tue, soit c'est parce qu'ils sont pas arrivés à faire un développement où on peut nager. Donc oui, ils ont réfléchi, ils ont fait qu'est-ce qu'on fait. Et ça vous dit, on, l'eau elle tue. Ok, c'est bon. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire un personnage qui nage et l'eau elle tue. Je sais pas. Peut-être qu'il y a une vraie raison, hein. C'est un wonder que vous avez survivé. Accompagnez-moi à la stronghold. Nous traiterons vos wounds et hear votre histoire. Et un premier petit trophée lié à l'histoire, bien entendu. Mais oui, vous ne pouvez pas aller dans l'eau dans Dragon Dogma. Hein, sinon, il y a les problèmes qui arrivent normalement. Ah, ouais, il y a les problèmes qui arrivent, ok. Effet négatif, n'est-ce pas? Attends, on va sortir avant de se faire tuer. Voilà, mais je me pose la question de la réalité de pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ok, bon. Et là, vous voyez, par exemple, le jeu est plutôt joli. Mais des fois, c'est beaucoup moins joli que ça. C'est vraiment hyper étrange. Vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez alterner entre c'est beau et c'est pas très beau. Hop. Alors, t'as trouvé le nom de la chanson d'intro. Nous n'avons toujours pas trouvé le nom de cette chanson. Et je crois que malheureusement, ce sera pas possible. Et qu'il faudra se contenter de intro.mp3 jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça réapparaisse comme ça, mais... Allez, on va se taper. Alors, il y a un truc qui m'avait le plus perturbé, moi. C'est l'impossibilité de locker des ennemis. Il n'y a pas de lock caméra dans le jeu. Et je trouve que c'est l'une des pires idées. Je trouve ça tellement brouillon. Du coup, t'es un peu toujours en train de galérer pour revenir sur l'ennemi, de bouger ta caméra toi-même. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu intégrer ça. Parce que c'est forcément un choix. C'est forcément un choix de leur part et je sais pas pourquoi. Et c'est déjà quelque chose que j'avais mentionné durant ma preview. Et ça n'a pas changé. Alors il y a des classes qui sont capables de faire des parades, d'autres absolument pas. Il y a des parades vraiment en fonction des classes que vous allez choisir. Alors il y a des esquives bien sûr, hein. Mais les parades c'est pas pour tout le monde. Voilà, ouais, reste là mon pote. Je sais pas l'importance d'éliminer tous les ennemis sur votre route, parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça où on peut globalement esquiver pas mal de confrontations. Des fois c'est des erreurs. Parce que du coup on ralentit énormément notre progression au niveau des niveaux et de l'XP. Même si des fois c'est quand même bien pratique. Donc je sais pas. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns? They bend the knee to you so readily, but then. No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Rift Stone, do you not? We can take you to it. Pray,
Come this way. Before you stands a Riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Vous allez maintenant invoquer votre pion principal. Ok. Alors ça fait partie bien sûr des grosses choses de gameplay du jeu. Vous allez toujours être accompagné de personnages secondaires qui s'appellent des pions, qui sont des personnages totalement gérés par l'IA. C'est là que ça aurait pu être intéressant de les remplacer par de la coopération. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment uniquement de l'IA. Et ces pions vont vous aider énormément. Que ce soit au combat, alors oui, ils font quand même une petite partie du boulot intéressante, mais aussi ils vont énormément vous aider à trouver les objectifs des quêtes. Vu que les quêtes sont très peu guidées, il y a quand même beaucoup de fois où il suffit d'écouter les pions, et le pion va te dire « Eh, t'as vu là-bas, derrière le caillou, la petite chose là-bas » Et dans ce cas-là, effectivement, tu écoutes, tu vois le caillou et tu vas derrière le caillou et tu trouves le truc. Voilà. Donc c'est vraiment hyper important d'écouter vos pions et de bien vous débrouiller. Du coup, on va prendre au pif, hein, parce qu'encore une fois, j'en ai pas grand-chose à faire. Hop. Classe, on va peut-être varier un petit peu les pions. Un mage, c'est intéressant de choisir une équipe variée, parce que les mages vont pouvoir vous soigner. Donc si vous avez que des guerriers, ça va être compliqué. Faut vraiment essayer de varier, avoir une équipe un peu complète. Je crois que vous pouvez avoir 3 pions, ça fait une équipe de 4 au maximum. Création de personnage, après vous avez également un trait... Je sais pas à quel point ça change quelque chose. Privilégie la défense et l'esquive, ok. Agit de manière équilibrée. Et... Ouais, c'est peut-être bien. Aime explorer et ramasser des objets. Adepte de la bagarre, il s'attaque de front aux ennemis les plus redoutables. On va prendre bienveillante. Et une voix douce, c'est très bien. Hop là. On est obligé de lui mettre des noms? Non, on n'est même pas obligé de lui mettre des noms. Ah bah tu t'appelleras au pif. Très bien. Bonjour. C'est un chat en plus. Il est mignon. J'espère qu'il J'espère qu'il mange pas beaucoup de croquettes. Ah oh, par contre nul. Je vais pas donner de nom donc le jeu l'a appelé. Le jeu l'a appelé Mon Pion. M-O-N-P-I-O-N. Mon Pion. Voilà. Bah, il s'appelle Mon Pion. Ça fait presque un peu prénom bizarre. C'est bon. Et il y a des régions de France où Mon Pion c'est un prénom. Hein. Je veux dire les Bretons je suis sûr que ça les choque pas tant que ça. J'ai patiné Renin grâce à ton guide hier, et bah écoute, heureux d'avoir pu t'aider, es-tu d'accord pour dire qu'il n'est pas à la hauteur des attentes sur le jeu, même s'il reste sympathique. En fait, je crois que les gens se sont beaucoup attendus à un truc semblable à Ghost of Tsushima, alors que clairement, bon, ça se voyait que c'était pas à ce niveau-là, notamment sur la technique, on voyait que c'était un peu ancien. Donc je pense que les gens ont eu injustement des trop grosses attentes par rapport au jeu. Peut-être que la communication également du studio a été un peu volontairement abusée pour faire passer le jeu pour un peu plus que ce qu'il n'était. Mais je ne trouve pas que ce soit si décevant que ça. Globalement, on reste sur ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire un jeu avec un gameplay exigeant mais pas trop, dans un style Japon. Je suis pas si déçu que ça, mais ouais, je comprends que les gens soient un peu sur une réserve parce que forcément ils s'attendaient à un truc peut-être un peu plus joli. From this day forth, I shall serve. Well, I'll be a pawn summoning before my vet. You truly are the Arisen. Surely there's only meant to be. The Watchhead would know what to do. I suppose we'll save any further questions till the What? Mayhap you could make for Melv then. The Arisen is said to bear. Il y a beaucoup de dialogue, hein. T'aurais dû l'appeler Marcus. Oh ouais, trop dommage, c'est une occasion, trop bien. Il y a peut-être moyen de changer les noms. Hein. Je m'en rends pas compte. Après, attachez-vous pas trop aux pions dans le jeu, parce que globalement, vous allez changer énormément. Vous pouvez en avoir des dizaines. Hein. C'est pas comme... pour reprendre un peu Skyrim. Skyrim, il y avait vraiment des gros alliés très célèbres
que vous récupériez à quelques endroits, il n'y en avait pas beaucoup, que vous pouvez après ramener avec vous. Là, c'est pas le cas. Là, il y a vraiment, vous pouvez en avoir des tonnes et des tonnes. Est-ce que je suis obligé de te parler ? Voilà, parce que si je peux éviter, je serais bien plus content. Alors ça, ah, par contre, grosse erreur. Grosse erreur. Là, ce que je m'apprête à faire, là, et ce que je viens de faire, c'est-à-dire ne pas écouter ce que disent les gens, c'est la pire erreur que vous pouvez faire dans Dragon Dogma. Puisque c'est vraiment pas un vœu qui guide, et vraiment, dans les dialogues, même les petits dialogues qui ne paraissent pas importants, ça peut totalement vous donner l'objectif ou ce qu'il faut faire pour comprendre la quête. Et si vous avez oublié de lire, oublié d'écouter, eh ben vous pouvez totalement être perdu en mode « Attends, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse déjà ?» Donc, hyper important d'écouter et de lire Dragon Dogma. Oui, c'est chiant, en plus, c'est pas en français, on est d'accord. Mais si jamais vous vous y lancez, n'hésitez pas, lisez, faites du dialogue, faites du dialogue, faites du dialogue. C'est hyper important dans ce jeu-là, sinon vous allez passer à côté d'énormément de choses. Et comme dit effectivement Dylan, et comment louper des quêtes secondaires, des quêtes annexes? Absolument, par exemple, ouais. Absolument. Mais bon, encore une fois, là, on n'est pas, dans le but de tout faire à 100%, vraiment avancer dans le jeu pour découvrir. Yeah. Et on verra plus tard. Toi, par exemple, voilà. Là, ce qu'elle vient de dire, là, mon pion, elle vient de me dire, hey, il y a un coffre au trésor, tu voudrais pas qu'on aille le voir, comment est-ce qu'on peut aller le trouver? Et où elle va? Eh ben, elle va vers l'endroit où il faut aller. Voilà, hop, et voilà. Et j'ai rien fait. J'ai rien fait, le pion il s'est dit ah, je vais le chercher, t'inquiète. Et voilà, là elle a ouvert le coffre, l'objet m'est revenu alors que je n'ai rien fait. En vrai, c'est cool. Parce que ça apporte un espèce de côté ultra réaliste aux pions qui font leur petite vie, qui se démerdent. Et c'est pas souvent le cas, tu vois. Souvent les persos secondaires, ils te disent juste ce qu'il faut faire et ils font rien, tu vois. Genre Atreus dans God of War, t'as vu la corde là-bas, là, papa, la corde là-bas. Tu serais pas la corde là-bas, tu vois. Il va pas aller tirer sur la corde, il faut que ce soit toi qu'elle le fasse. Bah, elle le fait toute seule. Et c'est cool, franchement, c'est bien. Alors, d'un côté, peut-être qu'il y en a qui vont dire que ça facilite un peu trop et que on aurait bien aimé se débrouiller tout seul. C'est peut-être vrai aussi. Mais c'est le style qui a été choisi. Bonjour. You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. D'accord, donc ne me prenez pas la route avant d'être préparé, il m'a dit. Je peux me reposer aussi. J'aurais bien aimé peut-être trouver des équipements, moi, parce que là, je suis à moitié à poil. C'est pas forcément quelque chose qui me met en confiance pour aller affronter des monstres méchants, n'est-ce pas? Dans ce monde, ne vous fiez pas uniquement aux données de sauvegarde automatique pour enregistrer votre progression. Il est recommandé de se reposer régulièrement à une auberge pour assurer la fiabilité de vos données de jeu. D'accord, ça marche. Boy there, my pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not I. Being armed is better than being defended. You should stop by the inn in Mel. Donc là, c'est ce qui permet donc l'auberge de se reposer, mais aussi de changer de classe. C'est auprès des auberges que vous pouvez changer. Tac. Pour le prix, ils auraient pu le faire en français. La VF manque, ouais. La VF manque un peu. Et si je dis pas de conneries... Alors à vérifier, mais je crois que c'est le jeu qui a coûté le plus cher en développement pour Capcom. Devant tous les Resident Evil et autres trucs, je crois que c'est le jeu le plus cher de Capcom. Dragon Dogma 2. À vérifier, mais je crois bien. Et c'est vrai qu'avec le budget qu'ils ont eu, ils sont pas arrivés à foutre une VF. And endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Ok, tu peux me parler face à face, pas dans le dos, hein, t'inquiète. Ok, donc là c'est un nouveau pion, parce qu'effectivement, donc, pour recruter des pions, vous avez plein de techniques possibles dans l'histoire, dans les quêtes secondaires, ou tout simplement dans la rue. Vous allez croiser des gens, vous allez pouvoir les recruter, ou des fois, bah, c'est même eux qui vont venir en mode hey, « je cherche un groupe, tu veux pas me recruter ?» Donc vous pouvez le recruter si vous voulez. Alors il y a apparemment une espèce de monnaie avec les petits tourbillons. Je sais pas du tout ce que c'est, ni où est-ce qu'on en a. Shall we discuss tactics now? Bah bienvenue. Voilà, donc maintenant j'ai deux pions apparemment. Je suis content. Hey yo, we've had to start sending out new recruits to cult. Is that so? Lachlan. Aye.
I expect you- Accardo. What? When- This is the first I'm here- Say, you seem stout of heart. J'accepte, je sais pas si c'est une quête principale ou secondaire. Définir une mission prioritaire, n'est-ce pas? Progression dans les missions, très bien. J'ai pas lu, j'ai rien lu. Oh, comment je vais regretter ça dans 5 minutes? Oh, c'est sûr que je vais regretter dans 5 minutes. Hop là. Allez, on y va. J'aimerais peut-être me trouver des armures, moi, mais bon, c'est pas grave. J'ai vu un truc, on peut créer des pions, les envoyer en ligne. Je crois que tu n'as rien besoin de faire, ça se fait un peu tout seul, si tu acceptes que le jeu marche en réseau. Et oui, tu peux effectivement utiliser des pions d'autres joueurs ou que les joueurs utilisent des autres tes pions à toi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a un intérêt. C'est-à-dire que quand les pions ils vont être utilisés par d'autres joueurs, quand tu vas revenir sur le jeu, ce qu'ils auront emmagasiné comme connaissance, ça va te revenir. Alors tu ne vas pas récupérer des ressources, tu ne vas pas récupérer de l'argent ou quoi que ce soit. Par contre, il y a un truc très, très important dans le jeu, c'est les points faibles des ennemis ou des techniques de savoir comment battre certaines personnes. Et ça, si par exemple il y a un de tes pions qui a affronté un boss dans la partie de quelqu'un d'autre, et que dans la partie de quelqu'un d'autre, il a capté que la faiblesse du boss était le feu, bah quand tu vas revenir dans ton jeu, si tu vas ensuite affronter toi ce boss, et bah le pion va te dire « Je sais, c'est le feu qu'il faut utiliser !» Alors que s'il n'avait pas été dans la partie de l'autre, il n'aurait pas su, il n'aurait pas dit ce conseil-là. C'est très intéressant, c'est très intelligent comme système. Hop, on peut leur donner des ordres, effectivement, aux pions aussi, on peut leur dire « Aïe !» Alors on peut pas leur dire « Aïe !» On peut leur dire « Va te battre, reviens vers moi, suivez-moi, etc. » Tac. Alors avec mon voleur, je suis pas sûr de pouvoir attaquer à distance. Non, je vais rien pouvoir faire contre les oiseaux, à mon avis, à moins qu'ils tombent au sol de temps en temps, ouais, par exemple. Est-ce qu'il y a un trophée sur l'envoi du pion dans une autre partie? J'ai rapidement passé en revue, là, rapidement au début... les trophées, donc j'ai pas tout en tête. Et je sais pas s'il y a un trophée là-dessus, je crois pas. Et je sais pas non plus si le PlayStation Plus est obligatoire pour ces fonctionnalités-là ou pas. Une très bonne question, j'en sais rien du tout. Il y a archer comme classe, j'ai pas fait attention tout à l'heure. Ouais, il y a une classe d'archer, il y a une classe de mage. Une classe de guerrier, une classe de voleur au début. Et après, il y en a d'autres qui se débloquent. Notamment, quand j'avais joué au jeu en avance, il y avait deux classes un peu hybrides qui étaient guerrier-mage. C'est-à-dire que tu avais des techniques de guerrier et des possibilités de magie. Et l'autre, c'était archer-mage. C'est-à-dire que tu avais deux possibilités de distance. Une avec des flèches et une avec des flèches de magie. Ce qui était assez intéressant. Les deux classes étaient assez impressionnantes à jouer. Mais c'est des classes que tu débloques plus tard dans le jeu. Et comme vous me le faites remarquer, il est 22h, on va pouvoir donc s'occuper du deuxième tirage au sort de la soirée. 20h-23h, tous les dimanches, avec Snir. Oh, les amis, donc c'est parti, deuxième tirage au sort, c'est ouvert, point d'exclamation TAS pour participer, un deuxième gagnant de la soirée. Dans quelques minutes, vous pouvez participer, je vous rappelle, point d'exclamation TAS. Pour participer, examiner. Est-ce que je peux looter des trucs? Oui, je peux looter des trucs. Donc, il faut bien penser à vérifier les ennemis. Ça peut permettre d'avoir des choses. Je crois à vérifier. Je me rappelle plus qu'il y a un système de poids dans le jeu. Donc, attention ouais, à ne pas être trop lourd. Sans quoi, vous deviendrez une grosse patate. Donc, attention, il y a un système de stats. C'est un gros RPG, d'ailleurs, hein, effectivement. Donc ouais, il y a tout un tas de choses à prendre en compte, les niveaux à augmenter au fur et à mesure, votre vie, votre équipement. On est sur the gros RPG du style à fond la caisse. Hein. Tu mets à jour les points café des derniers lives. Oui, normalement tout est à jour. J'ai repris tous mes papiers qui me manquaient. Normalement tout est bon. On peut créer plein de persos connus comme Gérald de The Witcher et d'autres. Merci. Tu veux dire esthétiquement? Créer esthétiquement des persos d'autres jeux vidéo, c'est ça hein, j'imagine que tu veux dire. C'est souvent ce qui est créé sur les créateurs de personnages un peu développés. Je me rappelle sur Cyberpunk, il y en a qui faisaient des Geralt hyper poussés en mode cyberpunk Geralt. Ça marchait plutôt bien.
Je vais pas du tout au bon endroit. Alors, hop. Je me demande si on peut trouver des pions PlayStation avec Xbox. Est-ce que tu crois que c'est possible? Je n'ai pas la moindre idée si c'est crossplay les pions. C'est une très bonne question. Je sais pas s'ils en avaient parlé. Fallait que je te parle à toi? Ouais, fallait que je te parle à toi. Aucune idée. You have my thanks. I do not believe for a moment I could have. I've only just enlisted. You saved me this. Well, I'd best be. Ok, ça marche. Blablabla. We'd best report back. Ok, donc c'est une petite mission à faire jusqu'ici. Je sais pas du tout si ça fait partie des missions principales ou secondaires. En tout cas, c'est fait. Alors, en passant en revue encore une fois les trophées, j'ai pas vu beaucoup de trophées qui semblaient abuser sur la. La complexionnite, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire le fait de tout faire à 100%. Il y avait marqué quand même de récupérer des insignes 80. Donc ça a l'air d'être quand même très collectible ça. Il y avait des énigmes de sphinx, j'ai vu. Par contre, j'ai pas vu de trucs genre finir toutes les quêtes secondaires, etc. Alors après, c'est juste, j'ai passé en revue rapidement. Donc ça se trouve, il y a et c'est juste que c'est expliqué autrement. Mais je suis pas sûr qu'il faille faire un 100% complet pour ce Dragon Dogma. Alors, ok, donc je viens de monter 4 niveaux en un rien de temps, ça va vite. Au niveau des missions, dans le siège du dragon. Ok, bon, apparemment pour l'instant j'ai qu'une seule... Quoi, encore? Daniela, vous êtes une voleuse. Bon bah allez, viens. Allez. Et plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Très bien. Et bon, fait-on, c'est parti. Pas de trophée coop, il n'y a pas de trophée coop étant donné qu'il n'y a pas de coop. Par contre, il pourrait y avoir peut-être des trophées liés aux pions, mais ça, je crois pas. Et puis également, après le tirage au sort, on fera la blague de 22h. Et quelqu'un m'avait proposé une blague sur les dragons, et c'est une très bonne idée, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. Alors on les a déjà battus eux, franchement j'ai la flemme de les rebattre. Donc Ah je dors. Ah je dors. Ouais, réveille-moi mec. Merci, merci, c'est bon, j'arrive, c'est bon. Pitié, hop là. Donc on va utiliser la technique de Pokémon, c'est-à-dire fuite, c'est super efficace. Il y a une endurance dans le jeu et une barre de vie, c'est tout. Il n'y a pas de barre de magie pour les mages. Ça m'avait surpris un petit peu. Souvent dans ce genre de jeu, quand on a des attaques magiques, très logiquement, il y a une barre de magie. Et bah non, la magie prend dans ton endurance. C'est rigolo. Et du coup, entre guerrier et mage, bah, il n'y a pas de différence spécialement. Qu'as-tu pensé de la démo de Stellar Blade? Je ne l'ai pas fait du coup. On était en train de se demander de ce qu'on faisait d'ailleurs dans la deuxième partie de ce live après avoir débloqué le platine de Rise of the Ronin. D'ailleurs, s'il y en a qui viennent d'arriver, le platine est débloqué effectivement. On pourrait revenir en arrière, on l'a débloqué en string. Attendez, petit teaser pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà, est-ce que c'est pas un platine absolument magnifique? Si je pense que si. Je pense que si, du coup après on est passé sur Dragon Dogma, et du coup pas de démo de Stellar Blade, mais je la ferai peut-être de mon côté un peu plus tard, quand je ferai notamment la vidéo de tous les récaps de ce qu'il faut savoir sur le jeu. Stellar Blade qui arrive bientôt, mais j'ai pas fait la démo. Comme dans Tsushima, le screen pour le platine en slip, exactement. Tu es un ancien, tu as connu, tu t'en rappelles, c'est magnifique. Merci beaucoup Julien, on va attendre la notif pour Julien. Est-ce qu'il reste des bubules pour Julien? Ouh, ça va être chaud les bubules Julien, j'espère que ça va aller. On fait chauffer les bubules. Désolé pour le bruit d'aspirateur, mais c'est pour les bubules de Julien. Oh oui, les bubules. Et bon, il y aura des bubules Julien. On attend la notif, on attend les notifs. Si elles veulent bien venir. C'est un petit peu long. Je viens de voir les trophées de Stellar Blade. Tu penses qu'il y aura des trophées collectibles? C'est des zones semi-ouvertes sur Stellar Blade. Donc,
Je sais pas si c'est un style qui se prête beaucoup au collectible. Quoique, God of War c'est du semi-ouvert aussi, il y a du collectible. Donc c'est probable qu'il y en ait. C'est probable en vrai, ouais. C'est possible, mais c'est pas une obligation, donc je ne sais pas. Encore un ? Est-ce qu'il y a encore de la place dans mon équipe ? Je ne sais pas. Merci Julien qui envoie du café. Regardez-moi Marcus qui va essayer de récupérer tout ça. Attention Marcus, prépare-toi, ça va arriver, c'est du très 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 lourd. Merci beaucoup pour ton énorme soutien une fois de plus. Boum ! Et les bubules pour Julien. Et les bubules ? Il n'y a plus de bubules ? Si, les bubules ! Voilà les bubules ! Wouh ! Merci beaucoup. Il faut que je recharge, il n'y a presque plus de bubules. Hop, désolé pour ce bruit de Dyson. Coucou la team, la blague de 22h sponsorisée par Juju. Bah écoute, effectivement, merci infiniment. Hop, un petit cœur. Et d'ailleurs, on va peut-être bientôt pouvoir faire la blague de 22h. Effectivement, on n'a pas tiré au sort le gagnant encore une fois. Il y avait des documents à récupérer sur des cadavres en vrai, donc possible. Dans cette démo, tu veux dire qu'il y avait des documents sur Stellar Blade, des documents à récupérer ? Bah écoute, de toute façon, on en reparlera très très vite, mais c'est possible qu'il est collectible. Je ne sais pas du tout si le jeu sera librement explorable après sa fin sur Stellar Blade, j'entends. Hein. Donc à voir si ce sera un jeu à faire chapitre par chapitre ou pas. On en reparlera à la sortie du jeu. Du coup, pour en finir sur cet énorme soutien de Julien, que je remercie encore, nous allons enchaîner sur le tirage au sort de 22h, deuxième gagnant de la soirée. Il s'agira de GRM officiel. GRM, un nouveau tirage pour GRM. Ça fait longtemps que tu n'avais pas gagné, GRM. Et ben voilà, tu es récompensé de ta régularité. Hop, GRM officiel, 15 points café supplémentaire, bravo! Bravo GRM, on va donc enchaîner pour la dernière chose importante à faire à 22h, la tradition du soir. Je vais nommer la blague de l'assistant vocal, on adore l'humour. On va voir si la blague sur les dragons ça marche, mais ça me paraît spécial. Donc on va voir. Avec un peu de chance, c'est bon. Bonjour Alexa. La dernière chanson par popularité des 104... Chut, chut, chut. Raconte-moi une blague sur les dragons. Je n'ai pas de blague à ce sujet. Raconte-moi une blague sur les oiseaux. Ce n'est pas l'hirondelle qui fait le printemps, mais Chuck Norris. Alors, les blagues sur Chuck Norris, normalement, il y a un rapport de force. Pour dire que Chuck Norris, il est le plus fort. Là, je l'ai pas. Oui, oiseau, parce qu'un dragon, c'est presque un oiseau, hein, finalement. Hein. Raconte-moi une blague sur les oiseaux. Quel est l'animal le plus heureux ? Le hibou parce que sa femme est chouette. Oh. Vous savez ce qui se passe quand on met un hibou dans une casserole ? Bah, hibou. Voilà, voilà. On recrute, votre équipe est complète, celui-ci a un pion à remplacer. Alors, j'ai deux voleurs. Je serais peut-être bien chaud de remplacer Daniela, j'avoue. Daniela, j'ai plus besoin de toi, j'ai un archer à la place. Merci Daniela pour votre participation. Au revoir Daniela. Offrir un cadeau. Bah, je sais pas. Si, oui. Voilà un os dentelé pour votre participation, Daniela. Nous vous remercions. You not miss my company once I am gone, Arisen. Please dispense with the formalities. Je suis généreux quand même. Hein. J'avais un petit bout d'os de poulet qui traînait dans mon sac là et je lui ai donné pour qu'elle se souvienne de nous. Merci Daniela, c'est très gentil. Allez. Et merci pour tes 24 mois, 2 ans, Julien, 2 ans à Team Café, merci beaucoup. Ouh, la petite tasse dorée au passage, elle est belle, elle est magnifique, merci infiniment. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant, moi? Parce que là, j'ai plus aucun point sur ma carte. Voyons voir dans le menu. Mission, dans le sillage du dragon. Visiter Melve. D'accord. Activée. Elle est activée. Bon. C'est où Melve? Ah. Oh. Chantier d'excavation. D'accord. Je ne sais pas si c'est la carte entière du jeu. Je crois pas. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs régions. Déjà, ça a l'air d'être assez grand. Et ce n'est pourtant que le début. Étant donné que je n'ai pas la moindre idée d'où aller, je vais continuer dans la même direction. Et on n'a qu'à se dire qu'en continuant dans la même direction, on va tomber au bon endroit. N'est-ce pas ?
Je pense que la majorité du temps, c'est ce qui marche. Oui, c'est exactement ça. Très bien. Très bien, très bien. J'ai des visions. Hein. On se revoit dans Final Fantasy. Est-ce qu'il vient du puits, le monsieur? Je suis sûr qu'il vient du puits. Vous êtes coincé là-dedans, monsieur? Mais c'est ma voix, ça? Attendez, j'ai une voix de femme. Ah, je sais, je sais. Vous allez me dire, oui, mais Styr, il fallait mieux personnaliser ton personnage. Oui, c'est vrai. On dirait un jeu de 2012. Bah, en fait, reste encore un peu, reste 10 minutes, et tu verras, dans 10 minutes, tu vas dire l'inverse. Dans 10 minutes, tu vas dire, ah, c'est joli, là. Et 10 minutes plus tard encore, tu vas faire, mais c'est moche. Et c'est vraiment le paradoxe de Dragon Dogma. C'est qu'il alterne tout le temps entre c'est pas beau et c'est beau. C'est trop surprenant. On est d'accord, là c'est 2012. 100%. 100% c'est 2012. Et tu verras, quand il y aura du soleil et de la verdure, ce sera dense, ce sera magnifique. Je comprends pas comment on peut faire un jeu aussi déséquilibré visuellement. Ah bah enfin des dragons! Je me suis dit, ils sont où les dragons dans le jeu? On me paraît tout à fait bien dimensionné, les gars. On y va. Est-ce que je peux monter dessus? Oh, je peux monter dessus. Oh ouais. Oh ouais, je suis dessus. Oh ouais, c'est le fun. Oh, c'est le fun. Je vais lui taper dans les parties. Oh, je suis en train de monter sur un dragon, là. Voilà, et tu vois, t'as pas besoin d'attendre 10 minutes. Là, on est d'accord que là, ça claque. Là, monter sur le dos d'un dragon, et on sera dans God of War. Alors qu'il y a 30 secondes, on était par terre dans des textures de 2006. Et là, on est en train de monter sur un putain de dragon avec des particules de partout. Qu'est-ce que c'est que ce changement en 30 secondes? C'est impressionnant. Insurgé. C'est quoi ça? Vous avez retrouvé le souvenir d'avoir arrêté du film? Ok, d'accord, très bien. Il y a l'histoire. Tu le chatouilles avec ton épée. Ouais, je suis pas beaucoup, ouais, j'avoue. Mais quelque chose. Pardon, je me pose à chaque fois pour parler, c'est plus simple. Quelque chose me dit qu'on peut pas le battre. J'ai une petite intuition. Quelque chose me dit que c'est sans doute un des boss de fin du jeu. Et comme absolument la moitié des jeux sur Terre, on le voit au début et on le voit à la fin. Mais bon. Petite intuition. Je peux me tromper. Et précis, oh. Il y a un truc, je me rappelle, rien à voir, enfin si, un peu à voir quand même, vous allez voir, il y a une subtilité entre vouivre et dragon, c'est le nombre de pattes, je crois. Un dragon, normalement, ça a deux pattes et la vouivre 4 ou l'inverse. Il y a un truc comme ça où tout le monde appelle des fois des dragons alors qu'en fait c'est des vouivres et pas des dragons.
Voilà, faites en ce que vous en voulez, mais il y a un truc, une subtilité entre les deux. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Et une hydre, ça a plusieurs têtes. Ouais, c'est encore différent, mais oui, absolument. Thank goodness. How are you? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? Pray, save your thanks. After all, tis only I know you suffered for it. Such, I'm sorry to hear that. A great many were bathed. You must be special. Je crois pas qu'il y ait de grosse importance de dialogue, hein, bien sûr. Has he come for you? We are to part so soon, then. Wyvern, tu veux dire plutôt Snir. Alors Wyvern, c'est le terme anglais, mais le vrai nom français, c'est Wyvre. Wyvern, c'est anglais, c'est l'équivalent de Wyvre. De Wyvre. Ah, excellent. You must be the one. The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital. If you claim the same, then word must be borne. I dispatched a missive before coming here. Though I... Would you be willing to accompany me to the capital? Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. Come to think of it, mayhap now would be a good time to speak. Ça marche. Ça perturbe, hein, que le personnage principal parle pas. Ils aiment bien faire ça. Alors... Faut-il avoir joué au premier Dragon Ball pour comprendre le 2 apparemment c'est une suite. Offrir votre aide, ne rien dire, offrir votre aide. J'offre mon aide. J'ai rien écouté mais j'offre mon aide. Ok, ça marche. Très bien, d'accord. Promis, je me rappellerai de toi, c'est pas vrai. Du coup, est-ce qu'il est important d'avoir fait le premier pour le deuxième? C'est une suite, donc apparemment, quand même, ça doit être important. Je sais pas à quel point, parce que j'ai pas fait le premier. Et je connais pas assez bien l'histoire pour savoir à quel point c'est important. S'il y en a peut-être qui sont un peu plus fans et qui connaissent, peut-être qu'ils sauront nous dire à quel point c'est primordial ou pas d'avoir fait la suite, ou est-ce que ça va. D'avoir fait le premier, ou est-ce que ça va. Perhaps you already know this, but well now, that go on, twill only take a moment. If there is aught you wish to know of vacations, mayhap I can advise you. Est-ce que ça m'intéresse? Non. Very well. But I shan't take up any more. Merci. Savoir-faire de maîtrise. Oh, comment tu dis rien? Oh là là! Comment t'es pas bien? Vous avez découvert des classes diverses. Ah, ça y est, donc maintenant je vais débloquer les autres classes, fais voir. Here at the inn, we also get so few customers, you see. That I can manage both roles myself. Changer de classe. Chut. Non, j'ai pas débloqué d'autres classes pour l'instant. Ça ne serait sans doute tardé. But enough about me. Did you need something? Do come again. Hop. Ce jeu vaut-il vraiment le coup? Conseilles-tu de l'acheter? J'ai commencé depuis seulement à peine une heure. J'ai jamais joué encore avant, sérieusement, parce que j'avais fait une petite preview sur une partie du jeu, etc. Donc je ne suis pas capable de dire si ça vaut le coup. Ou pas. Voilà, pareil pour ceux qui disaient que c'était pas très beau, par exemple. Bah hop, c'est bon, on oublie. Là, c'est joli. Là, c'est joli, il y a une belle distance d'affichage, les lumières sont soignées, là, la végétation est dense. Là, c'est joli. Voilà, et vous verrez, dans 10 minutes, on dira que c'est moche. C'est comme ça tout le temps. C'est incroyable. Mais du coup, ouais, je suis incapable de vous conseiller ou de déconseiller le jeu pour l'instant. Mais je pourrais peut-être vous dire si je le continue la semaine prochaine, peut-être qu'on fera un live dessus. Alors impossible le platine demain, enfin demain, dimanche prochain, même si je m'y mets, je pense que c'est beaucoup trop gros pour que ce soit faisable.
Et pareil, tu préfères Rise of the Ronin ou Dragon Dogma? Faudrait que j'aille beaucoup plus avancer sur Dragon Dogma pour savoir. Comme ça, je pense que j'aurais tendance sans doute à préférer Dragon Dogma quand même. Parce que je suis pas super méga fan du Japon. Et l'histoire de Rise of the Ronin, bon, c'est pas ce qui me... Tu vois, ça... Et c'est vraiment l'histoire que moi, je mets avant tout sur les jeux vidéo. Ça ne veut pas dire que Rise of the Ronin est meilleur que Dragon Dogma. D'ailleurs, je pense qu'en termes de notes, Rise of the Ronin a pris de meilleures notes de manière générale de quelques points. Mais personnellement, je pense que j'aurais tendance à préférer Dragon Dogma parce que ça me parle un peu plus comme univers. Mais vraiment, il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre. Ça va dépendre de chacun. Faut vraiment que je me trouve un équipement un jour, moi. Parce que là, je suis toujours comme ça, là. Bon, tant, on a qu'à dire que tant que je galère pas, je m'en préoccupe pas. Et au bout d'un moment, bah, ce sera obligatoire, n'est-ce pas? C'est quoi dimanche prochain? Je ne sais pas ce qu'on fera dimanche prochain. Faut voir. À réfléchir. Si jamais je continue Dragon Dogma, peut-être pour Dragon Dogma. Et si jamais je reviens sur Final Fantasy, bah peut-être le platine de Final Fantasy, on ne sait pas. Il y a un truc que j'avais vu durant ma preview, je sais pas s'ils l'ont amélioré dans les récentes mises à jour. C'est la nuit. La nuit dans le jeu, c'est terriblement sombre, beaucoup trop sombre. Beaucoup trop sombre. Et ça aussi, c'était très étrange comme choix parce que je trouve que c'est totalement volontaire de leur part. On va les laisser tranquilles, hein. Moi j'y vais. Hein. Allez, salut, hein. En avant. Hein. Hop là. Du coup, tu continues demain Dragon Dogma pour te faire un avis pour plus pousser et tu repasses sur FF. Bah, je vais en fait, je pense continuer un peu, faire une première vidéo. Une première vidéo sur la chaîne qui sortira peut-être mardi ou un truc comme ça. Et après, en fonction du succès de cette vidéo, je saurai où on en est sur Dragon Dogma. Est-ce que c'est attendu? Est-ce qu'il y a suffisamment de monde? Je pense que si la vidéo fait plus de 10 000 vues, je continue Dragon Dogma et j'en fais un guide. Si la vidéo fait moins de 10 000 vues, je fais pas de guide. Et je continue Final Fantasy. Voilà. Je pense que c'est ça qui va me permettre de choisir, c'est de voir à quel point les gens en ont besoin ou pas. Voilà. Donc si jamais vous voulez un guide sur Dragon Dogma, vous regardez la vidéo qui va sortir dans la semaine et vous la partagez. Et vous appelez vos soeurs, vos grands-mères, et regarde la vidéo de Steer, il en a besoin d'aide, et dans ce cas-là, il y aura un guide. Une caverne en face de toi. J'imagine qu'il y a énormément de petites zones secondaires à gauche à droite. Là, on va vraiment tracer tout droit. Je crois que globalement, on est plutôt libre de revenir dans les zones en arrière dans ce jeu. Donc on va pas essayer de tout fouiller à 100% dans un premier temps, parce qu'effectivement, en vrai, si tu fouilles, je pense que très vite, tu peux te confronter à des petites zones secondaires à gauche à droite. Combien de vues t'as dit? 10 000. Ouais, je pense que si la vidéo astuce fait 10 000 vues lors de ses premières... Première 48 heures, on va dire max, 24-48 heures, quand je vois que ça commence bien, bah dans ce cas-là, je serais plutôt chaud à continuer Dragon Dogma. Parce que c'est à peu près ce que peuvent faire mes vidéos astuces sur des jeux attendus. Je sais que mes vidéos Final Fantasy sur les astuces, elles ont fait 17 000 vues à peu près dans les 48 heures à peu près. Donc pareil, donc voilà, c'est à peu près ce que je m'attends pour que ça vaille la peine. Matériel de campement. Ouais, parce qu'effectivement, à différents endroits, vous pouvez établir des campements pour vous soigner, vous restaurer tout plein de trucs, etc. Mais cependant, il vous faut des matériaux. Je crois que le voyage rapide est très embêtant dans le jeu. Il n'y a pas juste t'ouvres la carte et tu voyages. Il faut trouver des points bien précis ou utiliser des objets. Des objets qui te permettent de te téléporter. C'est volontairement limité aussi de leur part. Mais du coup, attendez-vous à faire beaucoup de voyages à pied. Come to think of it. Some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Each to their own. Oh!
Oh, sympa ça. Bon, j'ai un peu tourné la tête comme un débile alors que c'était devant qu'il fallait regarder. Pas mal. Est-ce que tu avais un compte avant celui où tu chassais aussi les platines? Je déteste le terme chasser les platines. Je trouve ça un ridicule, les amis. Celui on dit collectionner les platines plutôt. Chasser les platines. Mais on chasse rien! On n'est pas avec un arc! Hein, sans déconner. À chasser les platines. Ah, on va la refaire du coup. Est-ce que tu avais un compte avant celui-là où tu collectionnais les platines? Non. J'avais tout. C'est mon compte historique. Mais il n'avait pas le même nom avant. Je l'ai renommé parce qu'il y a une époque où, bah, toujours maintenant, on pouvait renommer gratuitement son compte PlayStation. Je ne sais pas si c'est encore possible. Mais on avait le droit qu'à un essai. Genre, il fallait renommer, tu choisis, tu ne bouges plus. Du coup, je l'ai renommé maintenant en Snir tiré du bas YouTube. Mais sinon, c'est toujours le même compte. J'ai pas eu de compte avant. Je pensais que j'ai supposé que tu parlais de mon compte PlayStation. Hein. C'est le Game of the Years. Pas du tout. J'imagine que tu demandes si effectivement c'est Baldur's Gate 3 parce que on peut avoir des petits airs de Baldur's Gate effectivement. Mais pas du tout. C'est Dragon Dogma, c'est un jeu qui vient de sortir. C'est un gros RPG, mais un peu moins narratif, je pense, que Baldur's Gate. Et en termes de gameplay, on doit être très différent aussi. J'ai pas joué à Baldur's Gate, donc je sais pas. Mais effectivement, on pourrait se poser la question. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! My weight is on the road ahead. J'ai cru que c'était Rise of the Ronin vu le titre. Ouais, c'était le début du live Rise of the Ronin. On débloquait le platine et là, vu qu'on l'a débloqué, eh ben ouais, c'est marqué platine obtenue, nouveau jeu Dragon Dogma 2. Et oui, parce qu'on a dû passer sur un autre programme, vu qu'on l'a débloqué bah, finalement plutôt rapidement, ce platine, parce qu'il ne manquait pas grand-chose à faire. Et bon, ça nous a quand même pris une heure, mais pas plus que ça. J'étais curieux de savoir si tu avais des trophées platines sur un autre compte avant celui-ci. Et bah, figurez-vous que les platines, ça fait pas longtemps, si longtemps que ça que je l'ai fait. Hein. Quand j'étais sur PS3, globalement, je faisais quasiment pas de platine, donc j'ai commencé à platiner début PS4 et encore même pas spécialement début PS4. Après les deux premières années de l'existence de la PS4, j'ai commencé à faire des platines, mais pas avant. Donc c'est pour ça que ça fait pas si longtemps que je fais des platines, mine de rien. Aïe, je vais mourir bientôt là, non? Aïe? Je suis mort? Oh! Première mort! Première mort, qu'est-ce qui se passe quand... Ça, je suis mort vachement vite par contre. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Charger la dernière sauvegarde, le dernier point de sauvegarde. Bon, on va faire la première. C'est quoi ton premier platine? C'était Assassin's Creed Brotherhood, je crois. Comment un jeu tour par tour vu de dessus peut être Game of the Year? C'est à ce point un style de jeu apprécié. Je ne crois pas que c'est le style de jeu qui soit apprécié. Je pense que c'est l'intelligence avec laquelle ça a été fait qui a été apprécié. Parce que pareil, celui de l'année d'avant... Alors Elden Ring, ok, d'accord, très bien. Celui de l'année encore avant, c'était un jeu coop, là, un tout petit jeu coop qui s'appelait It Takes Two. Quand on le voit comme ça, est-ce qu'un petit jeu coop un peu mignon de 5-6 heures, ou ouais, peut-être un peu plus, 6-7-8 heures, a le potentiel de devenir un Game of the Years. Comme ça, sur le papier, absolument pas. Mais c'était un jeu qui était tellement bien pensé, intelligent, avec tout ce qu'il faut en termes d'émotion, d'écriture, de tout était bien fait, bien pensé, etc. Ce qui fait que ça a comme été le jeu de l'année. Alors Elden Ring, effectivement, ça pose pas trop de questions. On comprend pourquoi les jeux de l'année. Baldur's Gate, c'est pareil. Baldur's Gate, c'est un style spécial, mais... Pour ceux qui ont joué et j'ai pas joué, apparemment, c'est tellement bien pensé, tellement évidemment intelligent dans les dialogues, dans les façons de faire, etc., que tout le monde kiffe. Et en mode, c'est incroyable, c'est une révolution ce jeu. Mais effectivement, quand on ne l'a pas fait, quand on ne l'a pas joué, on a du mal à y comprendre. C'est un peu comme Detroit Become Human. Quand on n'a pas joué à Detroit Become Human, on regarde de loin et on se dit, bon, c'est un jeu où il faut appuyer sur des boutons. Et quand on a joué à ce jeu incroyable, le monde s'ouvre. Et on comprend pourquoi c'est une révolution. Et ben je pense que c'est exactement la même chose sur Baldur's Gate et ce pourquoi il a été élu
Je veux l'année 2023. Voilà. Mais effectivement, je l'ai pas fait, donc je suppose que c'est ça. Mais il semblerait qu'effectivement, ce soit ça. Rendez-vous à la capitale pour prouver votre identité. Je sais pas où est la capitale, mais on va réussir à trouver. Shall we see what we can find? Harpies, be on your guard. Comment ça se fait que t'as pas fait Baldur's Gate 3? Parce qu'il n'y avait pas tant de monde au début qui avait l'air d'être chaud pour le faire. Et je sais plus quand c'est qu'il est sorti, mais j'avais sans doute d'autres trucs à faire. J'avoue que comme ça, je m'en rappelle plus trop. Vas-tu faire des trophées sur Dragon Dogma? Ça dépendra du succès de ma première vidéo sur le jeu. Il y a du monde. Si je vois que les gens ont besoin de guides, il y a du potentiel, et ben dans ce cas-là, ouais. Si je vois que pas tant, que la vidéo que je vais faire bientôt sur... Ce sera des astuces, hein, la première vidéo que je vais faire. Et la première vidéo astuce, si ma première vidéo astuce ne marche pas très bien, je me dis bon, et ben il vaut mieux revenir sur Final Fantasy. Voilà ce qui va se passer. Donc encore une fois, si vous voulez un guide sur Dragon Dogma, je vous invite à regarder la vidéo qui sortira dans les prochains jours. Ça vous aidera peut-être à avoir un guide. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Manifestement, la route est bloquée. Hein. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à galérer. Eh ben alors. Wow. Bonjour. Vous étiez caché dans le caillou? Pas mal. Bien joué, bien joué. Je peux monter dessus. Je peux pas monter dessus. Attends, je suis à moitié épuisé là. Je peux pas monter dessus. Bon bah tant pis. Aïe. Saisir les ennemis imposants en combat. Vous pouvez saisir un ennemi. Ah, il fallait juste qu'il soit déstabilisé, d'accord, ok. Non, c'est. Attends, j'ai saisi mon pote là. Pardon. Ah oui, mais genre. Ah ouais, je peux lui choper la jambe et je lui fais un croche-patte. Oh, c'est rigolo. Oh, je lui tire le pied. Pour qu'il tombe. Mais non, c'est trop drôle. On peut genre l'amener, mais il tombait. Et hop, allez, vas-y, glisse. Vas-y, tombe. Allez, tombe. C'est rigolo. Regarde, il est en équilibre, il en peut plus. C'est n'importe quoi. Attends, je vais le faire tomber. Attends, je prends des cailloux, j'en ai rien à foutre. J'ai plus le temps. Hop. Allez, tombe. Vas-y, tombe. Allez. Et il est solide sur les appuis. Ah, voilà, il s'est tapé la tête contre le mur. Incroyable. Il est assommé. Ah, c'est trop bien pensé. Ouais. Oh, sans déconner, il s'est vraiment assommé. C'était trop bien. C'est-à-dire que s'il n'était pas tombé contre un rocher, il ne serait peut-être pas assommé. Ça, c'est trop trop bien, ça. En termes de réalisme et d'immersion. Genre, il s'est cogné la tête comme une merde, quoi. Incroyable. Alors il y en a qui ont vu qu'il était milieu de vie puis qu'il a de nouveau regagné sa vie, c'est parce qu'en fait les boss ont plusieurs barres de vie. Alors on l'en voit plus, mais en général il y a des petits points, ils ont des fois une, deux, trois barres de vie qu'il faut faire descendre une par une en fait. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il a regagné sa vie, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Alors, je vais essayer de leur faire tomber, vous croyez? Oh, je suis monté dessus, ça y est ce coup là. Ah, l'escalade. Hop là, ça aussi c'est trop bien qu'on puisse escalader tous les boss du jeu, regardez, enfin les boss, les gros monstres quoi. Regardez ça comme c'est trop bien. Là je le poignarde dans le dos là. Oh là là, c'est trop bien. Ok.
Eh ben franchement, épaté là par la réalisation du truc. Franchement, je crois pas avoir déjà... Quoi? Non mais y'a plus de place. Y'a plus de place Théo, y'a plus de place. Y'a plus de place Théo. De toute façon j'ai plus rien, j'ai plus d'argent Théo, j'ai plus d'argent. Franchement je crois pas avoir déjà vu un jeu où on peut monter sur les ennemis comme ça, librement. Je suis vachement surpris. Franchement c'est cool. Et là pareil, on a vu un truc, une réalisation incroyable avec des cailloux qui explosent, un géant incroyable. Et dans pas longtemps, on va retrouver une zone pas très très jolie. C'est impressionnant, cette différence. Tac, Shadow of the Colossus, on pouvait faire ça. Shadow of the Colossus peut-être, ouais, j'avoue. Mais c'était vraiment des gros boss sur Shadow of Colossus. Est-ce que sur des plus petits boss, c'est des plus petits monstres, c'est possible? Ah, il est aussi, ça doit être un truc à recruter, mais flemme. Flemme. En sachant que là, je ne sais pas du tout si je vais dans le bon endroit. Hein, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'aille à la capitale. Là, ça ressemble à une grosse ville. Là, si ça pouvait être une capitale, j'avoue que ça me choquerait pas. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse tout ce trajet à pied. Mais ça me choquerait pas spécialement. Donc, écoutez, on va dire que c'est ça. On verra bien. C'est en ça qu'on commence à voir le côté pas directionnel du jeu. Et ça va être vraiment comme ça sur toutes les quêtes. C'est-à-dire que le jeu ne va pas vous dire... très peu, des fois oui, des fois non. Des fois il y a des zones avec des marqueurs de quêtes, mais des fois pas. Des fois vraiment tu sais juste qu'il faut aller à gauche et hop, tu continues à gauche, tout droit. Des fois c'est agréable de ne pas être trop guidé. C'est vrai qu'on a l'habitude maintenant avec Assassin's Creed, tous les trucs comme ça. Et quand on fait un jeu pas guidé, au début c'est un peu dur de s'y mettre, parce que vraiment t'as plus l'habitude, tu as l'impression que tu sais pas où aller. Et en fait c'est vraiment une habitude. C'est vraiment une habitude, et une fois que tu t'y remets, bah faut apprendre à chercher un peu plus, etc. Et des fois c'est plus agréable. Un peu plus dur, mais plus agréable. Quand le jeu est bien conçu. Là. J'espère que ça me fasse des dégâts si je me colle contre. Oh là. Bon, ça va, ça s'est plutôt bien passé. C'est nul, le perso n'a pas d'endurance. On est au tout début du jeu, hein, c'est normal, l'endurance va monter au fur et à mesure des niveaux. Hein. Mais effectivement, tu me vois m'épuiser très rapidement. Et c'est vrai que ça peut être... On va peut-être l'aider là. Ok, les ennemis sont très résistants. Je leur fais absolument rien. Ok, même mes pions sont éclatés. Très bien, d'accord. Aïe. Alors... Je suppose qu'ils étaient trop forts pour moi. Maintenant... la question, c'est bizarre parce qu'il faut apparemment que je passe par là quand même. Et pourquoi il y aurait des bons si compliqués si c'est la zone par laquelle je dois passer? Parce que là, j'avais aucune chance. Hein.
Ça me paraît bizarre. Bon. Tu as revu la hausse, la durée du platine de Rise of the Ronin, je suis toujours au chapitre 2 avec 50 heures au compteur. Je sais pas ce que tu fais pour avoir 50 heures au chapitre 2. Parce que tu dois papillonner de ouf. Non, pour le platine, 60, 70 heures max, ça suffit. Hein. Donc je sais pas ce que tu fais. Parce que 70 heures, c'est proche du 100%. Hein. Donc pour être à 50 heures déjà... Mais effectivement, je l'ai juste rehaussé parce que de base, je pensais que le platine allait mettre 50. Et du coup, moi, je suis plutôt à 70. Après, ça dépend vraiment aussi de ton mode de difficulté, de comment tu joues. Si t'es en mode ultra hardcore et que tu meurs pas mal de fois, peut-être qu'effectivement, tu perds beaucoup de temps. Alors que quelqu'un qui se pètera en mode facile ou normal mettra moins de temps. Et je prends des risques, je passe devant la boule. Regardez, c'est incroyable. Quel gameplay. Attends, même on l'attend même. Pas trop. J'ai eu chaud. Mais bon, c'est bon. Très bien. Alors du coup, est-ce que c'était des rencontres aléatoires? Non, les ennemis sont toujours là. Bah écoutez, madame, je suis bien désolé. Aïe, non mais laisse-moi une chance. Ouh, j'ai eu chaud. Madame, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous sauver là. Il me semble que c'est pas par là la capitale. Bah ça me paraîtrait effectivement logique que ce ne soit pas par là, vu la dureté des monstres. Mais il y a que deux chemins. C'est soit là. Là-dedans, là. Et il n'y a pas l'air d'avoir de capitale. En passant par là. Soit là où je suis, tu vois. Il n'y a pas d'autre chemin. Et là. Là, il y a l'air d'avoir une capitale quand même. Donc c'est soit je descends effectivement tout droit, soit effectivement peut-être en passant par là et en descendant comme ça. Mais dans tous les cas, j'ai fait la moitié du chemin l'un ou l'autre. Donc bon, là tu fuis trop les combats. Bah je sais pas si t'as vu, mais il m'a enlevé 80% de ma vie en un seul coup. Donc je voudrais bien ne pas les fuir. Hein. Volontairement, voilà, comme ça, moi j'aurais bien envie, hein, mais là c'était pas possible. Fallait écouter les dialogues. Ah, je suis persuadé que quelqu'un dans les dialogues m'a dit qu'il fallait que j'aille quelque part. C'est 100% sûr que j'ai rien écouté et du coup je regrette. Mais ça va le faire, ça va le faire. Par la gauche, les ennemis étaient ton niveau. C'est fort probable. C'est fort probable. Non mais non, Linguine, c'est pas prévu. Merci Dylan de tes 13 mois dans la team café. Merci beaucoup pour le soutien. Désolé mec, il n'y a plus de place. C'est possible effectivement que de l'autre côté ce soit plus logique, enfin plus de mon niveau. Cependant, comment voulez-vous que je le sache, n'est-ce pas? Cette route m'avait l'air bien plus principale que cette petite route secondaire. Donc du coup, je suis passé par là. Mais le résultat sera le même, tout va bien. Ton mage a le temps de te soigner. Oui, j'aimerais bien qu'il me soigne d'ailleurs, c'est vrai. Tu peux me soigner? Non, tu peux pas me soigner, t'as pas le temps, hein. Bon, bah tant pis. Si, tu me soignes? Ah! C'est bon? Ça monte plus? Ça monte plus, impeccable. Demande-lui et de moi. Oui, c'est vrai, tiens, c'est un truc que j'avais découvert dans ma preview aussi. Alors, je sais pas si ça va nous être utile ici, mais dans le doute, on va tester. Quand vous êtes dans la merde, encore une fois, que vous savez pas quoi faire, de nouveau, réflexe, vous vous tournez vers vos potes. Et vos potes, ils peuvent vous aider à énormément de choses. Si vous leur demandez quoi faire, etc., vous leur parlez, des fois, ils vont vous donner des astuces. Ils vont vous dire « Ah, mais tu devrais peut-être aller voir le mec là-bas. » Je me rappelle, j'avais dans ma preview, je devais trouver un voleur ou je sais plus quoi, un brigand, un mec du marché noir. Et je savais, la quête ne disait absolument rien. Elle te disait juste « Trouver le mec du marché noir ». Et tu n'avais aucune info sur qui ça pouvait être. Tu te débrouilles, tu fouillais la terre entière, il fallait trouver le mec du marché noir. Et ce qui pouvait t'aider, c'est de demander justement de l'aide à tes alliés, tu vois, leur pas en bavardant, etc. Et un de mes alliés m'avait dit « Oh, tu devrais peut-être te renseigner auprès des marchands du village. » Et forcément, bah oui, j'ai vu les marchands, j'ai trouvé le mec du marché noir.
Mais il fallait capter, tu vois, c'était pas induit. Bon, là, apparemment, elle m'a pas beaucoup aidé. Mais voilà, mais de moment, ils peuvent aider. Aïe, aïe. On fuit. On va le faire en speedrun. Hein. Je crois pas qu'il y ait de monture dans le jeu. Je peux me tromper peut-être plus tard, mais je crois pas qu'il y ait de cheval ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça pourrait être très pratique. Il y a du voyage dans calèche, mais pas de monture, je crois pas. Bonjour, bonjour. Là aussi, c'est joli, hein. Franchement, c'est classe. Hein. C'est classe. Et vous allez voir, quand on sera dans la capitale, je pense que ça sera beaucoup moins joli. Tu gagnes des levels en fuyant. Ouais, tu gagnes des levels en fuyant, effectivement. J'ai remarqué ça aussi, là, tout de suite. Parce que je pense que d'ouvrir un combat, ça doit ramener un peu d'XP, mais... J'ai envie de voir Gérald dans ses paysages. Oh là là, il est gentil, lui. Non, 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 non. J'allais couper en morceaux, mais j'ai... Non, 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 on va être gentil. Et lui, il est gentil, vous croyez? Là, j'ai un petit doute, par contre. Le fait qu'il brûle me donne un indice. À mon avis, moins. On va laisser tranquille tous ces trucs-là. Ils sont beaucoup trop level pour moi. Alors, est-ce qu'on se rapprocherait pas? Si, on se rapproche. Par contre, je suis vraiment une loutre, hein. C'est vrai que c'est terrible. Ça ressemble clairement à une capitale. Oui, je parlais de The Witcher avant. Tiens, ça y est, ça me revient. The Witcher, je suis impatient de voir le prochain The Witcher sous Unreal Engine 5. Oh, oh là là. Déjà, quand tu vois ce qu'ils sont arrivés à faire avec un moteur un peu buggé avec Cyberpunk, en termes de graphisme pur, hein, je parle un peu... Bonjour. En termes vraiment de pur graphisme, uniquement de technique, c'est joli. Alors là, sous Unreal Engine 5, oh là 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 là, ça va être absolument fabuleux. Je sais pas quand ça va arriver. N'attendez pas ça avant 2026-2027 sans aucun doute. Bonjour. Le fait que j'ai sorti mes épées... Ouais, c'est peut-être pour ça. C'est bon, je suis un ami, vous inquiétez pas. Un panneau. En cas d'attaque de monstres sur la ville, nous ordonnons à tous les citoyens de fuir les alentours, de se réfugier en lieu sûr. Ok. Je vais avec Ciri. C'est probable, hein, ouais. C'est probable, ou un nouvel héros, complètement. On va voir. Mais je sais pas quand c'est que viendra le premier trailer de ce prochain The Witcher. Ça fait un moment qu'ils ont annoncé hein, le début des projets sur Unreal Engine 5. Ça fait bientôt un an et demi, mais c'est peut-être encore trop tôt pour avoir un trailer cette année. Peut-être un premier trailer l'année prochaine, mais en fait, c'est des projets, je pense, n'ont plus envie de faire la même erreur qu'ils avaient fait avec Cyberpunk, c'est-à-dire de balancer un trailer de fou dingo, là. Puis après, un grand trou noir pendant des années, pour finalement décevoir. Donc je pense qu'eux aussi, ils vont se faire un peu léger sur les annonces avant d'être vraiment sûrs de ce qu'ils ont, et ensuite, ils vont envoyer du lourd. Donc ouais, le futur de CD Projekt avec The Witcher et Cyberpunk 2, puisqu'on se rappelle qu'ils ont annoncé qu'ils allaient bien faire un Cyberpunk 2, hein. C'est pas pour tout de suite quand même, à mon avis. Faudra patienter encore. Bon, quoi? Comment c'est encerclé ce rebelle? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je vous demande votre pardon pour mon insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Then you have truly lost your memory? You, and no other,
After some days passed, you confronted the people rejoice, yet not all celebrate. Your rival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. To Disa, Your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to follow in that. However, I shall devise some plans to further our... Alors j'ai pas très bien compris pourquoi on m'avait encerclé et arrêté finalement si je suis pas si méchant que ça. Mais apparemment je suis lavé de tout soupçon. Nouveau petit trophée lié à l'histoire je suppose, la cité du substitut. Vous avez atteint Vermorf. Il s'en passe des choses. Bon. Et eh ben au moins on aura atteint un point net et précis pour s'arrêter puisqu'on va arriver à la fin du live. Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Qu'est-ce que je fais? Je le balance ou pas? Est-ce que je le balance? Je le balance ou je le balance pas? Il m'a l'air d'être quelqu'un de tout à fait sympathique. Je pense que je vais lui parler. Donc je vais mentir. Many thanks. I'll catch that wretch yet. Je t'ai sauvé la vie, mon pote. Kind one, aren't you? 'Twould seem I am in fact, there's aught I would ask of you if you've the... Aha! Oh, apologies, but our chat will have to... Eh ben, il s'en passe des choses. Hein. Bon, eh ben voilà. Nous avons atteint l'une des grandes villes du jeu, donc je pense qu'il y en a plusieurs. Hein. Je pense pas que ce soit la seule capitale. Il y a vraiment des grosses zones très différentes dans le jeu qui marchent un peu par biome. Hein. Il y a une zone un peu forêt, une zone un peu montagne, etc. Eh bien, on aura fait une première petite découverte de Dragon Dogma. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a à boire et à manger. Il y a des choses qui sont parfois peut-être un petit peu décevantes graphiquement. Le combat où on peut pas verrouiller d'ennemis, moi, ça me perturbe absolument. Pas de VF. Des fois, la réalisation qui est un peu serrée, un peu très saccadée, etc. Mais de l'autre côté, on a des combats qui peuvent être impressionnants, comme le fait de monter sur n'importe quel boss, n'importe où, etc. Des choses qui explosent de partout, des dragons qui apparaissent avec du feu. Et j'imagine énormément de choses à découvrir à gauche, à droite, complètement cachées, avec un monde absolument monstrueux. Donc il y a vraiment ouais, deux parties à Dragon Dogma, autant du truc très réjouissant, autre du truc un peu plus inquiétant. Donc à voir, mais bon, je vais quand même continuer un peu de mon côté, faire une première vidéo cette semaine. Et donc, justement, si la vidéo marche bien, comme je vous le disais, qu'elle atteint les 10 000 vues dans les prochains jours après sa publication, et bah peut-être qu'effectivement je passerai sur un guide sur Dragon Dogma. Si je vois que vraiment ça décolle pas, que personne n'est intéressé, dans ce cas-là, Dragon Dogma aura fait une petite percée, mais s'arrêtera là. Donc voilà, il ne tient plus qu'à vous de balancer de la vue et du pouce bleu sur la vidéo si jamais ça vous intéresse. Voilà, bon bah pour cette fin de live, donc on n'aura pas atteint les 200 pouces bleus, à mon avis on les atteindra pas, il en reste encore 50, à moins qu'il y ait 50 personnes qui n'aient pas mis de pouces bleus, ça m'étonnerait, comme toujours, hein, les derniers tirages au sort, c'est à débloquer avec les 200 pouces bleus, mais c'est pas très grave, rassurez-vous, on a déjà eu deux gagnants cette soirée, c'est déjà très très bien. Du coup, dimanche prochain, bah je sais pas, soit on sera de nouveau sur Dragon's Dogma, si jamais j'ai continué, soit on verra, on ne sait pas. On ne sait pas. Cette semaine, peut-être du Dragon Dogma, peut-être du Final Fantasy. Normalement, je dis rien, mais le 4 avril, jeudi. Je dis rien, mais jeudi 4 avril, il y aura peut-être des trucs sympas qui sont diffusés sur Internet de la part d'un gros développeur. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc peut-être des bonnes nouvelles en fin de semaine, peut-être des dates qui vont arriver, il se pourrait que je sache des choses, mais que j'ai signé un truc, j'ai le droit de me dire, donc je dis rien. Mais voilà, si jamais je dis, peut-être des choses intéressantes, je sais pas. Voilà, donc on verra ça, on en reparlera, dans tous les cas on va s'arrêter là les amis, un dernier petit jingle pour la bonne soirée. 20h-23h, tous les dimanches, avec Sneer.
Olé. Et du coup, live jeudi, je ne pense pas, parce que ce sera sans doute pas une conférence. Je pense que ce sera juste diffuser les choses intéressantes sur Internet. Donc, il n'y aura pas de live, par contre. Mais ça risque normalement d'être intéressant. On en reparlera. Et voilà. Bref, merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci à tous pour votre soutien, votre participation. Et on se retrouve très très vite cette semaine et la semaine prochaine. Merci à tous. Et à très vite, les amis. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés.